Bien. Alors, vous savez quoi? Quand je vois tout le monde qu'il y a là, il y a toute la réunion là, presque. Hein? Vous savez quoi? Je suis quand même très inquiet pour une certaine dame qui arrivait ce matin une heure avant nous à l'aéroport à 8h10. Une certaine Marine, je ne sais pas si vous êtes qui je veux parler. Parce qu'à mon avis, ce soir, elle a une réunion publique, il n'y a personne. Il n'y a pas personne. Tout le monde est ici, ce soir, à la réunion de la Villa de Lille. Donc moi, je suis Florian Binet, délégué départemental de l'UPR Réunion. Délégation qui existe depuis 5 mois. Et on est très content parce que c'est une délégation qui est en train de se développer. On a quasiment doublé le nombre d'adhérents en 5 mois, donc il y a quand même une très très bonne dynamique. Et d'ailleurs, à ce titre, hein, vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas pris, pour ceux qui ne sont pas adhérents, une adhésion. Donc vous dormirez ici, on a des matelas, vous allez voir des hamacs, hein, donc ce n'est pas un souci. Non mais voilà, vous savez qu'on est en période électorale, vous savez qu'on a besoin de fonds, hein, l'argent étant le nerf de la guerre, on n'a aucune subvention. Les seules subventions qui permettent aux partis de vivre, les seules subventions qui permettent à François Asselineau de venir vous voir ce soir, ce sont vos adhésions, ce sont vos dons, donc on compte sur vous. Au fond, là-bas à droite, vous avez Norbert qui est caché avec sa petite cravate, Norbert Chétail, qu'on applaudit bien fort. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez adhérer, si vous voulez faire un don. Alors, hein, jusqu'à 100 000 euros, hein, c'est ça, Président? Déductible à 66%. Bon, non. Et puis, il y a une boutique également où vous allez trouver des petits goodies. Hein. Alors, ça, c'est goodies, c'est pas très bon. Donc, des petites épinglettes comme ça, des choses au nom de l'UPR, et puis ça nous aide, donc n'hésitez pas. Bon, voilà, on arrête de faire ce genre de discours mercantile. On va juste sonder un petit peu, là, parce qu'il y a à peu près toute la réunion. Bon, il y a des gens de Saint-Pierre, j'imagine. Allez-y. Saint-Pierre en force. Ouais. Est-ce qu'on a le Sud sauvage qui est représenté? Saint-Philippe? Ouais, joli, joli. Le Tampon? Ah, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Sillaos? Est-ce qu'on a Sillaos? Parce que ce matin, imaginez-vous à l'aéroport, pour accueillir le président Asselineau, eh bien, on avait une adhérente de Sillaos, Laurence. Voilà. En tout cas, il en est un qui n'a pas hésité à traverser les océans, à traverser les continents, pour venir vous voir ce soir. Et sachez que la Réunion est la seule terre d'outre-mer qui sera visitée par François Asselineau pendant la campagne. Hein, et pourquoi est-ce qu'il a choisi la Réunion? Parce qu'il sait que la Réunion est une terre de résistance, parce qu'il sait que la Réunion est une terre d'entente des peuples, et parce qu'il sait que la Réunion est une terre de liberté. Autant de valeurs qu'il défend depuis 17 ans, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur François Asselineau! Voilà, je vais entrer donc dans mon discours, le premier mi-temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur... Vous êtes venu m'écouter sans doute sur les élections européennes et plus généralement sur la situation du monde et peut-être, ou plus particulièrement aussi, sur la situation de l'île de la Réunion. S'agissant des élections européennes, on est en train d'assister à quelque chose qui est vraiment, vraiment assez terrifiant, en fait, qui s'est déjà concrétisé un peu les années antérieures. Déjà en 2017, l'élection présidentielle où j'ai été candidat avec des efforts inouïs pour obtenir les 500 parrainages, et jusqu'au moment où j'ai eu les 500 parrainages, il y avait un silence total des médias sur ma personne. Et ensuite, j'ai eu droit à un mois pour préparer la présidentielle. Voilà. Donc là, il y avait quand même des règles qui s'appliquaient. Donc les médias ont été obligés de me recevoir un petit peu, mais si peu, en fait. Et la loi ne prévoit que... Avant, la loi prévoyait l'égalité. Maintenant, elle ne prévoit l'égalité de traitement que pendant les 15 derniers jours. Mais une égalité qui, d'ailleurs, est sujette à caution, parce que à l'époque, le CSA considérait que l'égalité... Si vous voulez, si vous passez pendant 20 minutes à 6 heures du matin sur CNews, c'était à peu près la même chose que 20 minutes sur TF1 20h. Alors qu'évidemment, c'est absolument pas du tout le même impact. Voilà. Et la loi ne précise pas non plus la façon dont vous êtes reçu, hein, parce que qu'il y en a qui étaient reçus en disant c'est le Mozart de la finance, un Jupiter, le mec, on n'avait jamais vu un type aussi intelligent depuis Descartes ou depuis je sais pas quoi. Moi j'étais présenté un peu comme je sais pas moi Michel Fourniret, vous voyez. Quelque chose. L'horreur, quoi, le complotiste, conspirationniste, enfin c'est...
C'est vraiment terrible hein, quand vous voyez la présentation qui est faite dans les grands médias. Je me rappelle toujours, c'était le 12 avril 2017. Je suis invité à m'exprimer sur France Info TV. Et j'arrive devant, il y avait 4 journalistes, c'était un tribunal. De toute façon, moi, à chaque fois que je suis invité à la télé, c'est un tribunal. Il y a quelque chose qui est bizarre en France, c'est qu'il y a quand même 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Et les journalistes que je rencontre sont 100% ultra pro-européens. Alors, il y a soit un petit problème dans le recrutement, soit ils sont sous terreur. J'aurais tendance à penser qu'il y a les deux à la fois. Il y a un problème dans le recrutement, il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont sous terreur. Et donc, j'arrive et à chaque fois, je suis reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Et donc, je me rappelle qu'au bout de quelques minutes, c'était Monsieur Jean-Michel Apathy, qui a un nom prédestiné pour décrire la situation de la France, d'ailleurs. Monsieur Jean-Michel Apathy qui me dit « Mais alors, Monsieur Asselineau, est-ce que vous désapprouvez ou est-ce que vous approuvez le bombardement au gaz sarin de la population de Khan Cheitoun par... le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie qui est arrivé ce matin à 5h du matin. » Voilà, typiquement le genre de truc. Alors j'étais bête, hein, parce qu'on apprend tous les jours. Moi, je n'étais pas... ça serait aujourd'hui, je dirais, écoutez, 99% des Français, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qui je suis. Ils ne savent même pas qui je suis. Je n'ai jamais été invité. Donc a priori, vous devriez déjà me demander qui je suis, quelles sont mes analyses et mon programme. Sauf que, bon, ben, c'est facile à dire quand on est à froid, mais quand vous êtes comme ça, ben, j'ai répondu, j'ai dit ce que je pensais, et j'ai dit, ben, écoutez, je n'en sais rien. Voilà, parce que je ne sais pas si cette information est exacte. Ah, que n'avais-je pas dit là ? Ah, vous en doutez ? Ben, je dis, ben oui, c'est une information qui est arrivée à 5h du matin, il est 8h30, comment je peux savoir de quoi il s'y retourne ? Ah, vous en doutez ? Je dis, ben oui, c'est normal de douter de... Rappelez-vous, par exemple, les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui avaient été présentées au Conseil de sécurité de l'ONU par le secrétaire d'État américain de l'époque. En fait, c'était du faux. Donc c'est normal qu'on se pose des questions. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que en fait, l'émission durait 10 minutes. Je devais pouvoir parler à peu près 12 minutes, l'émission. Je devais avoir à peu près 4 à 5 minutes pour parler parce que les journalistes prennent du temps de parole. Et sur ces 4 à 5 minutes, ils m'ont fait perdre la moitié du temps à m'expliquer sur ça qui n'avait aucun intérêt. Voilà comment ça s'est passé. Et surtout, ce que je ne savais pas, donc je vous le livre, c'est que, en même temps, pendant que je parlais, il y avait un bandeau que je ne voyais pas, mais qui était présenté à l'écran, avec marqué « Asselineau, virgule, candidat des conspirationnistes, point d'interrogation ». Donc ça veut dire que lorsque vous avez... L'émission passe à 8h25... Vous êtes, je sais pas moi, à Carpentras, Romorantin ou Plougastel-Daoulas, et puis vous avez la famille qui se réveille, qui finit de prendre son petit déjeuner, la mère qui surveille que les enfants vont bien partir à l'école, le mari qui se prépare à partir à son emploi, à l'usine ou dans un... Donc ils regardent très très vaguement, il y a le brouhaha familial, et puis ils se disent « Quoi, c'est quoi ça, Asselineau ? Ah oui, c'est un nouveau candidat, Asselineau, candidat des conspirations. Bon, » Terminé. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Terminé. Votre campagne est fichue, d'emblée. Lorsqu'il recevait le Jupiter, le Mozart de la finance, il ne disait pas « Macron, candidat de Rothschild, de point d'interrogation hein. ». Non, c'était quand il recevait Macron, c'était « Alors, c'est vraiment incroyable, on dit de vous que vous êtes le nouveau Kennedy, comment faites-vous pour être aussi extraordinairement intelligent ?» C'était ça, les questions. Hein. Donc on a une manipulation qui, depuis là, n'a fait que s'aggraver. Elle s'aggravait au point qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation délirante. Je viens encore d'avoir une crise de nerfs là au téléphone. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Dupont-Aignan, que vous connaissez sans doute, qui a annoncé le 26 mars, qu'il n'était pas candidat. Eh bien, il est encore passé pour la énième fois sur LCI aujourd'hui, invité du service politique, pour dire quel était son point de vue, alors qu'il n'est pas candidat. Alors que nous sommes en campagne électorale et alors que normalement, il y a la période dite d'équité. Personne ne sait ce que ça veut dire l'équité. Bon, égalité, les gens savent ce que c'est. Équité, on ne sait pas. Mais donc, c'est absolument incroyable, d'autant plus incroyable que nous, on les a appelés un nombre de fois incroyables et que ça fait quand même 7 ans que LCI et TF1 ne m'ont pas invité. Je n'ai pas été invité depuis 7 ans par RTL. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et ça n'est pas faute de le leur demander.
On a un nombre très important de collaborateurs qui sont morts à la tâche, hein, enfin presque. On a eu des jeunes journalistes, des vieux journalistes, un ancien rédacteur en chef adjoint des Échos. On a eu une jeune fille aux formes assez suggestives. On a tout essayé, c'est toujours non, ou plus exactement pas de réponse. Alors, aux dernières nouvelles, on a Gérard, auquel je rends hommage ici, je ne dirai pas son nom, mais qui est un de nos adhérents, qui est quelqu'un qui est très bien, qui est très posé, etc. Donc il me disait tout à l'heure qu'il a passé au cours des trois dernières semaines, des derniers mois, il a passé 88 coups de fil, plus, qu'est-ce qu'il m'a dit, je crois, 55 courriels, plus 55 SMS et plus 5 courriels. Donc au total, ça fait quelque chose comme je ne sais plus combien. Et il a eu pour l'instant une seule réponse positive, c'est celle de Pascal Pro. Mais Pascal Pro m'a reçu sur LCP parce qu'il s'était engagé, parce qu'il y a eu une mobilisation de beaucoup d'adhérents et de sympathisants qui ont écrit. Et puis parce que c'est CNews, hein, sur CNews. Et CNews cultive l'idée que il défendrait la liberté de parole. Voilà. Donc ce qui est un mensonge éhonté, vous avez peut-être vu sur CNews il y a quelques jours, monsieur Pro a commencé à expliquer que malheureusement il voulait bien m'inviter, mais que malheureusement l'ARCOM, l'ancien CSA, limitait mes apparitions à 15 minutes par trimestre. Je dis, ça tombe mal, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que vous m'avez pas invité. Oui, Je dis, par ailleurs, monsieur Philippot, il a été invité 16 fois au cours des 2 ans. Voilà. Tout est faux. Là-dedans, tout est faux. L'ARCOM n'a jamais dit qu'il fallait limiter à 15 minutes. C'est faux. Il ne m'a jamais invité 15 minutes. Sinon, c'est le blackout total. Alors, ce qui est grave, c'est qu'on est quand même en période électorale. Et qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias du système considère que, en gros, hein, je suis l'ennemi public numéro 1. Parce que faire passer Bardella, Madame Le Pen, Zemmour, Marion Maréchal, Dupont-Aignan, même Philippot, tout ça, c'est du gâteau. Mais Asselineau, non. Alors pourquoi? Je vais vous foutre la vérole. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi qui fait qu'on invite tous les autres, sauf moi. Il y a un truc. On va essayer de voir le pourquoi. Alors ce blocage médiatique est insensé quand même, et d'autant plus c'est incroyable que si vous êtes ici présent, ce n'est pas parce que vous m'avez vu sur TF1. Qui m'a vu sur TF1 depuis 3 ans? Ah, donc vous êtes un menteur. Non, si vous êtes là, c'est parce que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux. Et alors, je sais qu'il y a des gens, quand je parle de ça, qui disent « Oh, ça y est, il ramène encore son histoire, le nombre de vues, etc. » D'accord, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'essayer de défendre ma cause? Voilà. Donc, vous savez peut-être que notre chaîne, pour nous limiter à la seule chaîne UPR TV sur YouTube... Alors que nous avons beaucoup d'autres canaux, et en ce moment, on les développe à toute allure, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent, de jeunes bénévoles en ce moment, pour diffuser au maximum sur... Moi, je ne peux pas tout suivre. J'ai un petit peu passé l'âge aussi, mais sur TikTok, sur Instagram, sur Threads, qui vient de sortir, etc. Donc on est de plus en plus présents. Mais pour nous limiter à la seule chaîne sur YouTube, la chaîne UPR TV, qui, je me permets de le passer au passage aussi, d'ailleurs... ne nous rapporte pas un centime. Je me profite aussi pour le rappeler un petit passage. Lorsque je suis... Vous savez, l'anagramme de UPR, c'est pur. Mais c'est vrai, en plus. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé cette chaîne, je n'ai pas pensé à moi. J'ai appelé ça une UPR TV. Et alors, à badaboum, à partir du moment où c'est UPR TV, ça appartient au patrimoine du parti politique. Et donc, je ne peux pas financer, je ne peux pas mettre des publicités. Donc les millions de vues qu'on fait ne nous rapportent rien. Alors évidemment, c'est assez plaisant pour le téléspectateur, puisqu'il n'est pas interrompu en permanence par des publicités. Moi, je dispense à tout vent. Vous savez, c'est comme Larousse. Hein, je sème à tout vent. Je dispense ma matière grise à tout vent. Mais en fait, on reçoit rien.
Alors que je connais un certain nombre de responsables politiques qui ont eu la malignité d'appeler leur chaîne, par exemple, Philippot TV ou Mélenchon TV. Et à chaque fois, ils passent à la caisse. Parce que des millions de vues, ça fait énormément d'argent, en fait. Bon, au moins, j'en suis rémunéré. Je serai rémunéré, j'améliore mon karma. Et donc, si vous êtes aussi nombreux, c'est justement parce que vous n'êtes pas embêté par les publicités. Mais enfin, je voulais dire tout ça parce que si on regarde cette chaîne, elle a dépassé hier les 96 500 000 vues en cumulé sur UPR TV. Et je suis le seul responsable politique français à avoir fait des vidéos qui dépassent les 500 000 vues et les millions de vues. Il y a des gens qui peuvent dépasser ça. Si par exemple vous mettez votre petit chat. Vous avez un petit chat ? Un petit chien. Bon. Qui a un petit chat dans la salle ? Ben voilà. Moi je pourrais, moi il s'appelle Pollux. Hein. Je pourrais venir avec Pollux, le mettre comme ça. Là je pourrais peut-être faire 5 millions de vues, je ne sais pas. Mais faire des trucs politiques, honnêtement, c'est beaucoup plus calé. Donc je suis le seul responsable politique à avoir fait plus de 20 vidéos qui ont dépassé le demi-million de vues et 6 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. 2 ont dépassé 1 400 000 vues. Au total, 96 516 000 vues. Ce qui est quand même un problème quand vous comparez aux vues des autres partis politiques, hein, puisque le Rassemblement national doit être à 6 millions de vues, LFI est à 21 millions de vues, c'est le mieux après nous. Et puis j'en parlais tout à l'heure avec un élu local qui a reçu récemment M. Édouard Philippe, alias Fantomas. Non, attendez, on parle quand même du prochain président de la République, là. Puis il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français, M. Édouard Philippe. Les sondages vous le disent. Alors je lui ai dit, mais vous savez que Édouard Philippe, il a une chaîne de télé qui s'appelle Horizon TV, et ils en sont à 68 200 vues. Alors il y a des gens qui me disent, oui, mais le nombre de vues ne fait pas le nombre de votes. Je dis, d'accord, mais l'absence de vues ne fait pas non plus l'engouement extraordinaire. Donc la France devient un pays qui, je pense, c'est une véritable dictature. C'est-à-dire que ça se passerait en Russie ou en Chine, où il y aurait un responsable politique qui ferait des dizaines de millions de vues et qui serait totalement interdit des médias, alors qu'on montrait en épingle quelqu'un qui est honni par la population en disant « c'est lui le prochain président de la République » alors que personne ne s'intéresse à ce qu'il dit, les gens diraient « non mais ça, c'est une blague en fait ». Mais c'est la mauvaise blague qui nous est en fait imposée, c'est-à-dire que nous sommes, parce que c'est pas uniquement moi qui suis visé bien sûr, c'est que nous sommes collectivement, on nous a déclaré la guerre, on a déclaré la guerre au peuple français. L'idée c'est quand même de nous transformer en esclaves et de voir jusqu'à quel point on va obéir et plier la tête. Alors il n'y a pas que les passages médias qui me sont donc interdits, ce qui est totalement inouï, mais il y a aussi les sondages. Les sondages, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que normalement, il y avait une commission des sondages, mais la commission des sondages, elle est à peu près aussi efficace et puissante et active que l'ARCOM, que le CSA. C'est-à-dire que vous avez des instituts de sondage qui balancent comme ça des informations. On ne sait pas du tout pourquoi, on ne sait pas ce que ça, c'est. Et c'est repris pieusement par tous les médias. Il se trouve d'ailleurs que, du point de vue capitalistique, ce sont souvent les médias qui possèdent les sondages et réciproquement les mêmes. Donc les médias s'appuient sur le sondage. Moi, on me dit « Mais M. Asselineau, vous ne représentez rien ». D'ailleurs, voilà. En fait, vous êtes rien. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Macron. Hein. Vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Donc comment voulez-vous qu'on vous invite puisque vous faites 0% ou 0,5% dans les sondages ? Et donc ils prennent appui sur les sondages qu'ils financent par eux-mêmes. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si personne ne me voit jamais dans les médias, c'est sûr que c'est extrêmement handicapant pour grimper dans les sondages. Alors il y a eu des choses assez croquignolaises au cours des tout derniers jours. On a vu un sondage qui est sorti de YouGov. Alors YouGov est un institut de sondage. Bon bref, c'est un institut de sondage qui est à partie lié avec... un truc qui s'appelle Ledivia, je crois, quelque chose comme ça, qui est un institut de sondage américain présent à Moscou, dont certains disent que c'est un appendice de la CIA. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ce sondage YouGov
a été publié dans le journal, le site Huffington Post. C'était il y a 3 jours. Hein. Le Huffington Post créé par Madame Anne Sinclair, un truc américain, et dont Monsieur Dreyfus, qui est actuellement le rédacteur en chef ou le directeur général, se trouve être un young leader de la French American Foundation. Donc déjà, ça cadre un peu le tableau. Hein, voilà. Eh bien, donc ce sondage a montré alors un truc extraordinaire, c'est que Dupont-Aignan n'est plus candidat. Bon, j'ai quelques amis quand même qui m'ont téléphoné en me disant « ça c'est bon pour toi ». Il représentait 3 points, tu vas peut-être pouvoir gagner à en récupérer 1 ou 1,5. Bon. Mais pas du tout. Dupont-Aignan n'est plus candidat, donc moi je baisse. On baisse dans ce sondage au point d'avoir 0. Voilà. C'est quand même incroyable. En revanche, dans ce sondage, M. Glucksmann prend 3 points. Il passe de 9 à 12. Et Mme Marion Maréchal prend 4 points, elle passe de 5 à 9. Moi, il se trouve que je fais des réunions publiques dans toute la France. Je peux vous assurer que dans toute la France, il ne se passe pas une seule réunion publique où je ne vois pas arriver à la fin pour adhérer des gens qui sont des déçus de chez Zemmour. C'est systématique. Parfois des déçus du RN, parfois des déçus de des Républicains. Il y a tellement plus de monde. Hein. C'est comme si je voyais des déçus du MoDem. Il n'y a personne au MoDem. Donc on ne peut plus avoir de déçus. Voilà. Parfois, il y a quelques déçus du PC, de LFI, etc. Mais vraiment, on a tout... À chaque fois, on est déçus de Zemmour qui est en... Et pourtant, d'un seul coup, on nous explique ça. Alors, j'ai quand même trouvé ça un peu fort de café. Je n'ai pas été le seul, puisque vous avez peut-être vu que aujourd'hui même, le Figaro dit que Mme Maréchal s'effondre, mais à deux jours d'intervalle. Donc dans un cas, elle prend 4 points, elle passe de 5 à 9. Dans l'autre, elle était à 6, elle tombe à 5, je ne sais pas quoi. Bon. Et puis on a appris avant-hier que la commission des sondages, d'un seul coup, s'est réveillée. Elle dormait du sommeil du juste. Elle s'est réveillée, elle a dit que finalement, ce sondage YouGov, il n'y avait pas d'échantillonnage. Il n'y avait pas de... je sais plus quoi. Enfin, vous verrez, j'ai fait un tweet sur le sujet en reprenant... Il y a un communiqué officiel. Hein. Enfin, en gros, c'est un faux, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça n'est évidemment jamais repris dans les grands médias. Alors, il est vrai que, d'ailleurs, le Zemmour est un habitué, parce que le 12 février 2022... J'ai ressorti ça aussi, j'ai retrouvé ça. Il y avait un sondage IFOP. Dont le directeur général est M. Dabi, qui avait annoncé... Alors il y avait déjà eu des tentatives au mois de septembre et octobre 2021, mais là, on était quand même à un mois et trois quarts des élections, du premier tour d'élection présidentielle le 10 avril. Donc là, ça se passe le 16 février 2022. Il y a un sondage IFOP qui dit que M. Zemmour est en deuxième position. Il sera présent au second tour face à Macron. Et il est crédité de 16,5%. Et Mme Le Pen est créditée de 16. Et Mme Pécresse était créditée, figurez-vous, de 15. En réalité, vous savez comment ça s'est passé? Les gens disaient « c'est pas vrai, c'est pas possible ». Donc la commission des sondages a publié justement un sondage en disant que c'était un faux, que c'était faux, et que ça ne correspondait pas du tout aux critères de scientificité, etc. Ça a été un peu repris. Mon TF1, quand il a consacré un petit truc, mais ça n'a pas été beaucoup repris. Je vous rappelle qu'en définitive, M. Zemmour, qui devait faire 16,5, a fait 7,07 un mois et demi après. Donc il avait été surévalué de 133% comme un grand. Les marges d'erreur sont très très limitées. Donc c'était du faux. Je rappelle que Mme Pécresse, qui était donnée à 15, a terminé à 4,78. Donc elle avait été comme une grande surestimée de 200, je ne sais plus combien, 38%. Quant à Mme Le Pen, elle avait été dans ce sondage-là sous-estimée. Alors c'est quoi, en fait? Elle avait été sous-estimée de 35%. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une véritable stratégie des sondages qui est de manipulation de l'opinion publique. Parce que jamais vous n'avez de médias qui vous expliquent après coup que les sondages qu'on vous présente sont faux. On ne fait pas de rapprochement. C'est le fait même que, par exemple, il y a eu l'IFOP mis en garde par la commission des sondages qui a dit que c'était faux
il s'est révélé que c'était faux. Normalement, si on était dans une république, cet organisme devrait être pourchassé par la justice et interdit de publier des trucs. Parce que c'est de la diffusion de... Là, puisqu'on en est à chercher des fake news, en voici. Quand on cherche des ingérences étrangères, en voici aussi. Alors ce qu'on voit, le YouGov et qui sont les gens derrière, c'est les Américains. Eh bien non, il ne se passe rien et on continue comme ça. Nous, on sait, il y a des officines en France proches du chef de l'État, enfin, dans certains ministères que vous pouvez imaginer, qui, elles, font leurs propres estimations. Et nous, on n'est pas donné à 0 ou 0,5, on est donné à 3,5. Je ne dis pas, je vais faire un peu comme Raymond DeVos, hein. Rien, c'est rien, mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Bon. On est donné à 3,5, c'est pas pareil que 0,5. On était donné à 0,5 en 2019. Quand d'ailleurs les sondages, toujours, ce qui est curieux, il y a un truc qui est vraiment bizarre, hein, c'est que M. Philippot a toujours les bonnes fées avec lui. Il passait sans arrêt dans les médias, moi non, là chez CNews il est passé 16 fois depuis 2 ans, moi 0. Et en 2019, M. Philippot était donné à 2,5% dans les sondages, et nous à 0,5. En pratique, ça s'est terminé. M. Philippot, au lieu de faire 2,5, a fait 0,6. Et nous, au lieu de faire 0,5, on a fait 1,2. C'est-à-dire qu'il s'était quand même trompé de 100% sur nous. Hein. Trompé, entre guillemets. On était donné à 0,5, on a été à 1,2. Depuis cette époque, au cours des 5 dernières années, le nombre de vues sur notre chaîne UPR TV, comme je le disais tout à l'heure, est passé de 25 millions en cumulé à 96 millions, c'est-à-dire quasiment une multiplication par 4. Le nombre de nos abonnés à cette chaîne YouTube est passé de 80 000, je crois, à 448 000 aujourd'hui. Vous pouvez aller... Tout ça, ce sont des chiffres que vous trouverez hein, sur Internet. Vous pouvez aller les vérifier. Donc c'est multiplié par quasiment 5. Le nombre de personnes qui sont connectées sur mon compte Twitter a été multiplié également par 4, etc. On voit en ce moment des adhésions qui affluent de partout. Les événements ne cessent que de donner raison à toutes les analyses que j'ai faites depuis des années. Et on voudrait nous faire croire que nous aurions perdu 60% de nos électeurs par rapport à 2019. Donc c'est évidemment un faux. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ces sondages qui sont faux? Pour plusieurs raisons. Actuellement, par exemple, nous on est donné à 3,5, mais M. Bardella n'est pas du tout donné à 31-32, comme on le dit au bon peuple. Monsieur Bardella, il sera aux alentours de 23-24. D'ailleurs, là aussi, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais les sondages, par exemple, qui avaient été faits en 2021 pour les régionales, en régionale Île-de-France, Monsieur Bardella était donné à 17, il a eu 13. C'est quand même une erreur d'estimation de près de 30% quand même. Dans les Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, pour les régionales 2021, Monsieur Xavier Bertrand était donné à 33 et M. Chenu du RN à 32. Donc ils étaient dans un mouchoir de poche. Et en fait, Xavier Bertrand, au lieu de faire 33, a fait 41. Et M. Chenu du RN, au lieu de faire 32, a fait 24. 8 points de moins, c'est-à-dire une différence énorme. Et c'est pareil en PACA. Donc il y a derrière tout ça des stratégies. On va essayer de... Si vous me le permettez, je fais vraiment de la politique politicienne, hein. Mais c'est un peu nouveau, et puis je suis filmé, donc ça permet de diffuser aussi aux autres. Je vais revenir sur des sujets plus fondamentaux peut-être tout à l'heure, mais là, on est quand même sur un sujet fondamental, parce que l'objectif, c'est qu'il ne faut surtout pas que les Français votent pour moi, ou pour notre liste. Et pourquoi ça? Alors, je reviendrai dans un instant, mais les moyens utilisés sont ceux que je viens de dire. D'abord, il s'agit de faire mousser le RN. Vous avez vu que M. Macron, dans sa conférence de presse du mois de février, je crois, ou janvier-février, Macron a fait une conférence de presse. Je me suis forcé à l'écouter du début à la fin. J'en ai encore les stigmates. C'est une souffrance. Vous n'imaginez pas. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la France ? À la fin de la conférence de presse, M. Macron a dit « Eh bien, écoutez, voilà, moi, mon objectif, je ferai tout pour battre le RN, mon ennemi, c'est le RN, etc. » C'est formidable. Sachant que M. Macron est détesté par 80% de la population,
Il n'y a pas de plus beau cadeau qui puisse faire au RN que de dire ça. Moi, j'aurais adoré qu'ils disent mon pire ennemi, c'est l'UPR. Dans les jours suivants, on aurait eu des dizaines de milliers d'adhésions qui seraient arrivées. Les gens diraient « Ah, mais on va le faire chier. C'est qui, l'UPR? Allez, on y va. » Tandis que là, ils désignent le RN. Donc le RN est en fait ce qu'on appelle en anglais un sparring partner. Il est en fait là pour rejoindre, pour récupérer ce que Macron lui dit. Macron dit aux gens qui ne sont pas contents, allez voter pour le RN. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a d'ailleurs une manip extraordinaire, c'est que le Rassemblement national, vous savez, n'a jamais, je l'ai dit, je le redis ici, ça fait 17 ans que je le dis, j'offre une caisse de 6 bouteilles de champagne, du champagne UPR, à quiconque me présentera une profession de foi. Je dis bien une profession de foi, pas la déclaration d'un lieutenant de Mme Le Pen un 29 février par une nuit sans lune à 4h du matin dans Radio Berry Sud. Non, non. Moi, je dis la profession de foi qui est envoyée aux électeurs, le truc qui vraiment fait foi. Trouvez-moi une seule fois qu'il y a eu une profession de foi du Front National qui ait dit qu'il voulait sortir de la construction européenne. Vous ne le trouverez pas. Le Front National a fait comme tout le monde, comme tous les autres, c'est-à-dire une autre Europe, l'Europe des patries, le truc, le machin. On va changer l'Europe. Enfin, ça, j'ai fait d'autres conférences sur le sujet. Vous pouvez aller le vérifier, d'ailleurs, vous-même. Petite incidente aussi, au passage, pour faire un peu sourire. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait sourire. Mais Monsieur Bardella a lancé sa campagne. Donc le slogan de la campagne de Monsieur Bardella, c'est « La France revient, l'Europe revit ». Je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, ça fait chic. Hein. La France revient, l'Europe revit. Bon, c'est typiquement le truc style... C'est un cabinet de conseil, un cabinet de com' qui a fait ça. Bon, voilà. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut d'ailleurs rien dire, en plus, au passage. Mais ce qui est assez drôle, et c'est ce que j'ai fait, que tout le monde peut faire, allez regarder les affiches de Jean-Marie Le Pen en 1984, aux Européennes de 84, donc il y a 40 ans, où ils ont eu leur premier député européen. Le slogan de Jean-Marie Le Pen, c'était « La France est de retour ». Donc en 40 ans, ils sont passés de « La France est de retour » à « La France revient ». C'est un parti de revenants, en fait. Mais pendant les 40 ans, il s'est passé quoi pendant les 40 ans ? Il s'est passé qu'ils n'ont jamais fait ce qu'a fait Nigel Farage au Parlement européen, c'est qu'ils n'ont jamais dit « il faut arrêter ce truc-là, il faut sortir de ça ». C'est en train de nous détruire. Jamais, jamais. Ils ont fait des scandales homériques. Monsieur Jean-Marie Le Pen a utilisé la tribune du Parlement européen pour s'attaquer à Cohn-Bendit en le traitant de pédophile. Il n'avait pas tort, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la France est en train d'être désintégrée. Et pendant les 40 ans qui se sont écoulés, la part de l'industrie dans le PIB français, en 1978, était de 38-39%. On est tombé à 10%. On est tombé au niveau de la Grèce. Le nombre d'agriculteurs familiaux, d'exploitants et familiaux en agriculture, en 1960, je vais monter un petit peu avant, en 1960, il y avait 2 800 000 agriculteurs familiaux en France. On est tombé à 360 000. On va vers une extermination, en fait, au profit du big business agricole. Le rayonnement de la France, je vous en parle même pas. L'état des services publics, l'état de l'armée française, l'état de notre diplomatie. On a mis des affaires étrangères, il ne sait pas parler français. Alors que c'est par excellence le ministère de la parole. C'est celui qui doit justement avoir une tellement bonne connaissance de la langue française qu'il doit justement manier ça avec beaucoup de dextérité. Pendant ce temps-là, tous les 5 ans, vous avez le Front National qui est revenu passer à la tirelire. C'est ça la vérité. Et donc il est très très important pour le système que les Français votent toujours pour ce truc. Et lorsque Macron attaque le Front National, pas seulement lui, il y a aussi Madame Valérie Ayers. Enfin, ou je sais plus, ou ailleurs, ou, enfin je sais pas, c'est pas très porteur son nom. Hein. Que ce soit hier ou que ce soit ailleurs, c'est pas très porteur. Bon. Non, ils ont fait très fort, il faut reconnaître.
faut reconnaître que la majorité, qui est une minorité, enfin que le parti qui soutient Macron a quand même fait très fort. Ils ont réussi à trouver une candidate plus cruche que Nathalie Loiseau. Personne ne pensait que c'était possible. Eh ben si, voilà, ils ont trouvé Valérie Ayer. Alors Valérie Ayer, elle a pris la feuille de route hein, que on lui a indiquée. Et donc elle dit oui, parce que le Front National veut le Frexit. Vous avez Gabriel Attal, le Premier ministre, qui dit oui, le Front National veut le Frexit. Alors que c'est faux. Alors que d'ailleurs, tous les dirigeants du Front National ne disent pas du tout. Mais les médias là-dedans, ce qui est extraordinaire, c'est que les médias ne font pas leur travail. Normalement, un journaliste devrait dire « Attendez, vous incriminez le Front National de vouloir faire sortir de l'UE, mais c'est pas du tout leur programme. » Mais non. Et pourquoi il se passe ça? Parce qu'il s'agit de cultiver l'ambiguïté. Parce que l'objectif, si vous voulez, c'est que le grand public qui suit ça d'un peu loin, ils se disent « Ah bah oui, mais le RN, en part de là, il donnait à 32. Ouais, Asselineau, je l'aime bien, mais il est à zéro, donc je n'ai pas voté pour lui, c'est un vote perdu. C'est ça le truc. Donc je vais voter pour Bardella. » Effectivement, Bardella, par rapport à moi, il est évidemment beaucoup plus compétent. Il a 28 ans, il a un bac, et puis c'est tout, et puis il est entré au RN. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas dit qu'il est beau gosse. Mais enfin, a priori, je ne suis pas sûr qu'une élection, ça soit la Starac, hein, ou alors faudrait le dire. À propos de beau gosse, d'ailleurs, je voudrais signaler que si vous mettez côte à côte le portrait de Reinhard Heydrich, 28 ans, l'organisateur de la Solution Finale en 1942, qui était un arien beau blond aux yeux bleus, et que vous le mettez à côté du Mahatma Gandhi, qui ressemblait un peu à l'acteur Sim, ben le plus beau, c'était pas Gandhi, hein. Mais d'un côté, vous avez quelqu'un qui a fait la Solution Finale avec des millions de personnes exterminées dans le camp de la mort. De l'autre côté, vous avez eu quelqu'un qui était un apôtre de la non-violence et de la paix et qui a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde dans ces conditions. Voilà. Vous pourrez que si vous mettez Macron et De Gaulle, je ne suis pas sûr que De Gaulle remporte la palme de l'Apollon. Mais la question, elle est là. C'est que malheureusement, on a un peuple qui a été tellement décérébré que les gens disent... Combien de gens... Vous avez vu des micro-trottoirs, on dit « Ah oui, mais je vote quand même pour Macron. Alors pourquoi ?»« Parce qu'il est beau. » Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez que ce que je dis est vrai. Et pendant ce temps-là, notre pays est en train de dégringoler à toute allure. Voilà. Voilà ce qu'est la réalité de la chose. Alors, à partir du moment où vous entretenez quelque chose de confus, il y a des gens qui se disent « J'en peux plus de l'Union européenne », mais qui se disent « Ah oui, mais bon, quand même, le RN, en fait, le FN, ils veulent aussi sortir, puisqu'on rend ça confus, puisque Macron lui-même a dit qu'il voulait sortir. » Mais non, jamais, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, ils disent « Non, on ne veut pas sortir ». Il y aura forcément des cocus parmi ceux qui votent pour le FN, entre ceux qui pensent qu'ils votent pour un parti qui veut rester dans l'UE et ceux qui pensent qu'ils votent pour un parti qui, justement, veut en sortir. Mais la bonne solution, c'est qu'il n'en sortira pas. Et évidemment, pendant ce temps-là, les gens se disent « Bon, bah oui, bah, je vais quand même voter pour le FN. C'est un vote utile. » Un vote utile ? Ils ont eu 23 députés... 22 députés en 2019, le FN. Je rappelle au passage, je ne sais pas si vous avez bien tous à l'esprit ce que c'est que les élections européennes. Il s'agit d'élire... Cette fois-ci, ça change tous les 5 ans. Mais cette fois-ci, il y a 720 députés européens représentant 27 États et 27 peuples. Et nous, on a un allotement cette année de 81 députés. Qui doivent être, selon la liste, une liste Shabada, c'est-à-dire homme-femme, homme-femme, homme-femme. Oui, ça s'appelle Shabada. Voilà. Bon. Ça va finir par poser problème, parce que ceux qui ne sont ni homme ni femme, il faudra bien le retrouver aussi. Hein. Non, mais ça va être un sérieux problème dans les années à venir. Hein. Ben oui. Enfin, pour l'instant, on en est encore là. Et donc, on a 80 députés à choisir sur 720. Faites un compte... Ça fait 11,25% des députés. Donc de toute façon,
les députés français sont complètement noyés dans la masse. Hein. 11,25%. Un parti politique remporterait 100% des voix, il aurait 100% des députés, ça ne représenterait que 11,25% des parlementaires européens. Bon. Mais là, ce dont on parle pour les gens qui disent « je vais voter utile en votant Bardella », d'abord, vous savez que Bardella, ça a surtout brillé par son absence. Il n'a rien fait, en fait. Sur les 22 députés, il y en a un et demi qui ont travaillé. Il y a M. Thierry Mariani un petit peu et Mme Virginie Joron qui a bien bossé. C'est tout, sur 22. Bon, il a eu sa chance. C'est bon, ils ont eu leur chance. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait rien. Jamais au cours de la mandature, avec Bardella tête de liste, il a dit « il faut sortir de l'Union européenne ». Mais ce que je dis là sur... faut pas que vous pensiez que je passe ces haros sur le RN. Il se trouve que je parle du RN parce qu'on parle toujours de lui. Mais du côté de Mélenchon, Manon Aubry, c'est pareil. Jamais elle a dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro. Pourtant, je vois que M. Mélenchon, qui d'ailleurs, je crois, est venu ces jours-ci sur ces terres, maintenant, il fait du Asselineau. Alors il tape sur l'Union européenne. Il dit qu'il faut faire arrêter la guerre avec la Russie, etc. Mais ce qu'il propose est totalement contradictoire avec l'Union européenne dans laquelle il veut rester. Et là aussi, les journalistes, personne ne va jusqu'au bout de dire « mais tout ce que vous nous proposez n'est pas, en fait, compatible ». Donc la mécanique qui est branchée entre les médias qui ne me donnent pas la parole, qui nous invisibilisent, plus les médias qui font croire que des partis comme, par exemple... le RN ou Reconquête, dont j'ai parlé tout à l'heure au moment des sondages, mais je rappelle aussi au passage que vous savez quel est l'objectif de Madame Marion Maréchal. Et il se trouve que qu'elle est mariée avec un Italien qui s'appelle Monsieur Sofo, et lequel Monsieur Sofo, ils ont eu un enfant ensemble, c'est très bien, c'est formidable. Mais Monsieur Sofo, il est candidat aux européennes sur la liste de Madame Meloni du parti Fratelli d'Italia. Et donc, Madame Marion Maréchal a indiqué que si elle était candidate et que si elle avait des députés, il serait dans le même groupe ECR que son mari. Ben oui, ce serait un jeune couple de tourtereaux. À eux deux, ils empocheraient à peu près 22 000 euros par mois en tant que députés européens, sans compter tous les avantages divers et variés. Donc c'est un jeune couple qui s'installe. C'est quand même pas mal. Bon. Mais que je sache, allez voir le groupe ECR, où il y a d'ailleurs Fratelli d'Italia. C'est le groupe des conservateurs européens, etc., machin chose. Donc dans leur ADN, comme on dit maintenant, donc c'est un groupe qui est critique, qui est eurocritique, et c'est ça. Mais évidemment, on reste dans l'UE, on reste dans l'euro, on reste dans l'OTAN. Mais combien ai-je vu dans des réunions publiques des gens qui votaient ou avaient voté pour le RN ou pour Reconquête et qui étaient mordicus convaincus que leur champion voulait sortir de l'UE. C'est incroyable, en fait. C'est fort parce que tout est fait justement pour rendre ça confus dans l'esprit des gens. Il y a un ministre des Affaires étrangères, resté célèbre dans l'histoire de France, que Napoléon avait qualifié de « merde dans un bas de soie », Talleyrand, monsieur de Talleyrand Périgord. Comme vous savez, il avait fait un nombre de régimes absolument incroyables. À chaque fois, il était retombé sur ses pieds. Enfin, c'était quand même autre chose que ses journées. C'était... Enfin, je veux dire, quand on pense que la France est passée du diable boiteux, comme on l'appelait, de Talleyrand Périgord à ses journées... Il est vrai qu'on est passé de Gaulle à Macron, mais bon, c'est vraiment la catastrophe. Alors, Talleyrand avait une formule que je vous invite à méditer, qui s'applique aussi bien à la vie des affaires, à la vie personnelle, mais aussi à la vie diplomatique ou autre. Il disait, notamment dans les négociations diplomatiques, « La seule façon de dire oui, c'est oui ». Toutes les autres veulent dire non. C'est génial. Voilà. Si par exemple vous avez des vues, messieurs, sur une amie, et puis et après ça, après vous allez au ciné, puis après vous dites tiens, tu voudrais pas passer prendre un verre à la maison, et puis que votre ami dit non, j'ai ma migraine aujourd'hui, etc. En fait, ça veut dire non. Voilà. Donc, appliquez ça à la politique. La seule façon de dire que la France
doit sortir de l'Union européenne, de l'euro ou de l'OTAN, c'est de dire la France doit sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Toutes les autres veulent dire non. Toutes les autres veulent dire qu'on n'en sort pas. Tous ceux qui vous proposent une autre Europe, une Europe des nations, une Europe des patries, une Europe verte à poils rouges, jaune à poils bleus, une Europe... Tout ça, ça ne veut rien dire. Parmi ceux qui sont spécialistes en la matière, vous avez M. Dupont-Aignan qui nous a sorti le Bruxit. Oui, c'est ça. Moi, j'ai cru que c'était le bruxisme. Vous savez, c'est une maladie comme les gens qui grincent des dents la nuit. Il paraît que c'est surtout réservé aux messieurs d'un certain âge. C'est peut-être votre cas, d'ailleurs. Hein? Une amie. Il y a aussi la brucellose. Ça, c'est une maladie des bêtes, qu'on n'attrape pas forcément à Bruxelles, d'ailleurs. Donc, pour M. Dupont-Aignan, le Bruxit, c'est quoi? C'est rester dans l'UE, mais sortir de la Commission européenne. Ça ne veut rien dire, en fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'en sort pas. J'ai vu d'ailleurs que M. Philippot a fait alliance avec M. Poisson. M. Poisson qui a dit qu'il fallait... Peut-être faudrait-il faire un référendum sur la place de la France en Europe. Ça veut dire quoi, ça? D'ailleurs, l'idée même de faire un référendum... Parce que je sais, il y a des gens du RN qui m'ont dit « Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites, Mme Le Pen, elle avait dit que si elle était élue en 2017, elle ferait un référendum au bout de 5 ans, donc au moment où elle allait s'en aller, sur la sortie de l'UE. » Alors déjà, pourquoi au moment de s'en aller? Bon, déjà, c'était bizarre. Et puis surtout, c'est un référendum, c'est une façon de botter en touche, en fait. C'est soit vous êtes convaincu que le problème de la France, c'est que la France a perdu, les Français ont perdu... leur indépendance et leur souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est plus eux qui décident de l'avenir de leur propre pays. C'est notre cas. Hein. C'est notre analyse. Ça fait 17 ans que je le dis. La France est devenue une colonie. Nous subissons ce que la France est une ruse de l'histoire. L'histoire est pleine de ruses. La France subit ce que nos aïeux ont fait subir à d'autres États, d'autres peuples au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle. Maintenant, la France est devenue une colonie. On va y revenir tout à l'heure. Mais donc, nous, ce que nous disons, nous, on n'est pas des souverainistes, nous sommes un mouvement de libération nationale. Notre objectif, c'est de redonner au peuple français ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire son droit inaliénable. C'est inscrit comme ça dans la Charte des Nations Unies de 45 et aussi dans le Pacte des droits civils et politiques des peuples du monde qui a été adopté par acclamation à l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, pour être précis. C'est le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est ça que nous on dit. Mais vous ne pouvez pas conjuguer ça avec l'idée d'un référendum. Nous, on est contre le référendum. Enfin, s'il y avait un référendum sur la sortie de l'Union européenne, pourquoi pas? On préférait qu'il y en ait un plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais ça n'est pas le bon véhicule, à notre avis. Pour une raison simple, c'est que c'est quelque chose avec quoi on ne peut pas transiger. Est-ce que vous imaginez De Gaulle, le 18 juin 40, qui aurait dit « Française, Français, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Je vous invite à vous rassembler autour de moi pour négocier avec le chancelier Hitler une autre Europe hitlérienne. Et si, dans 5 ans, nous ne sommes pas parvenus à avoir une autre Europe nazie, à ce moment-là, nous ferons un référendum pour savoir s'il faut ou non sortir de cette truc-là. » Vous imaginez, ça vous paraît ridicule, mais vous avez tout compris avec ça. Avec ça, vous avez tout compris, la fausseté du coup du référendum. Je voudrais d'ailleurs dire quelque chose qui est très 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 important aussi sur l'effet du référendum. C'est que vous avez entendu des gens qui vous disent « Oh là là, le Brexit, c'est une horreur !» Et 85% des Britanniques se mordent les doigts d'avoir voté en faveur du Brexit. Ça, c'est la presse française qui fait ça régulièrement. Qu'en est-il au juste? En fait, c'est un sondage. Ce n'est pas des données macroéconomiques. Hein. Normalement, pour juger de l'état d'un pays, on se fonde pas sur des sondages, on se fonde sur une donnée macroéconomique. En l'espèce, ce n'est pas des sondages, c'est un sondage qui est fait à peu près tous les ans par un organisme de sondage anglo-américain qui s'appelle Opinium, dont le patron, le big boss, vit aux États-Unis, voilà. Dans l'université du Missouri, à la Harry Truman School of Government.
un faux pif de la CIA. C'est quand même le mec qui est à l'origine de ces sondages, qui sont publiés toujours dans le même journal, le Guardian, qui est un journal de gauche, mais enfin la gauche version Tony Blair, qui s'était illustré pour être le leader des Remainers anti-Brexit. Et donc ce truc publie régulièrement des trucs du style « les Anglais sont absolument effrayés ». Mais c'est un faux. J'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs l'autre jour sur LCP, là, quand j'étais invité à Bruxelles. Ils m'ont d'ailleurs essayé de me faire taire. Mais prenez toutes les données macroéconomiques. Elles ne sont pas mirobolantes pour le Royaume-Uni. Mais dans tous les cas, elles sont meilleures qu'en France. Et même sur CNews, j'ai été attaqué par monsieur... Sur CNews, j'ai été attaqué par un journaliste qui s'appelle monsieur Florian Tardif. Voilà. En fait, vérification faite, il n'est pas journaliste. Il a commencé sa carrière comme mannequin. Allez voir sa bio sur LinkedIn. Il a été mannequin pour Dior, pour LVMH, etc. Voilà. C'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Après, donc il n'est absolument pas journaliste. Et donc, fort de ses 28 ans et de ses 5 ans de mannequin... C'est vrai que je suis pas, j'ai pas la taille mannequin. Je reconnais. Non, mais il faut savoir reconnaître ses défauts aussi. Hein. J'ai pas vraiment la taille mannequin. Je le regrette. Mais enfin, il a commencé à vouloir m'expliquer que je ne connaissais rien à la macroéconomie. Et donc, il a dit que ce que je disais était faux, qu'il y avait 10% d'inflation au Royaume-Uni. C'est totalement faux. En 2023, il y a eu 4,2% des chiffres officiels d'inflation au Royaume-Uni, 4,1% en France. C'est d'ailleurs la seule donnée où le Royaume-Uni est un poil moins bien que la France. Mais pour tout le reste, que ce soit la croissance, que ce soit le taux de chômage, que ce soit les déficits commerciaux, le déficit de la balance des paiements, que ce soit le niveau de vie, personne n'en parle, mais le SMIC au Royaume-Uni en 2016 était 15% inférieur au SMIC français. Il est passé, là, il y a quelques semaines. Maintenant, il est monté de plus en plus. Et il est maintenant 10% au-dessus du SMIC français. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution de 2016 à 2024 du SMIC. Intéressez-vous à ça. Et en plus de ça, il y a 5% des Britanniques qui sont au SMIC contre 17% des Français. Donc le niveau de vie des Britanniques s'est considérablement amélioré. On apprenait il y a 3 jours que le Royaume-Uni vient de dépasser... la France, les Pays-Bas et je ne sais plus quel autre État, comme elle est désormais 4e exportateur mondial. Donc l'idée, rappelez-vous ce qui s'était passé avant le Brexit, on nous avait expliqué, monsieur Macron, alias le Mozart de la finance, nous avait expliqué que s'il avait un Brexit, il ferait le tapis rouge devant... Il y avait des officines qui avaient expliqué qu'il y aurait 2 à 300 000 personnes travaillant à la City londonienne qui s'enfuiraient, qui traverseraient le Channel. Il y avait même d'ailleurs le journal, je ne sais plus si c'était La Voix du Nord ou un truc comme ça, ou Le Réveil Picard ou quelque chose comme ça, ils avaient fait une pleine page. C'était Welcome, etc. Tous les gens de la City qui allaient traverser la Manche comme ça, je reviens de l'enfer, etc. Heureusement que vous nous accueillez. Bon. Mais c'est ça qui avait été dit, en fait. Mais allons au-delà d'ailleurs de cette affaire-là. C'est que le problème du Brexit, ou le problème du Frexit d'ailleurs, c'est que ça n'est pas parce que l'on sort de l'Union européenne qu'on est garanti sur facture d'être dirigé par des gens formidables. C'est pas la même chose que de dire à un peuple « Vous allez reprendre votre pouvoir » et puis après on voit ce qu'ils en font. Ce sont des choses totalement différentes. Les Indiens, ils ont repris leur indépendance des Royaumes-Unis. Ben après, depuis 1947, ils ont eu des gouvernements divers et variés. C'est pareil pour le Vietnam, c'est pareil pour l'Algérie, c'est pareil pour le Maroc, etc. Donc ça n'est pas un gage de bonne gestion, mais c'est un gage, en tout cas, de libération. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Rappelez-vous ce qui s'est passé pour le Royaume-Uni. C'est Nigel Farage qui a fait ce que nous, on veut faire si on a des députés européens. C'est ça l'intérêt de voter pour nous. C'est que nous, si on a des députés européens, on fera du scandale à la Nigel Farage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le pourra, on expliquera, on poursuivra Enfin, je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'on fera, mais on expliquera pourquoi il faut sortir de l'Union européenne. On demandera des explications sur toute une série de politiques. On demandera, par exemple, vous avez vu ces scandales de corruption inimaginables avec cette dame qui était une vice-présidente du Parlement européen,
Elle était journaliste, présentatrice grecque, vice-présidente. C'est vrai qu'elle non, elle était assez jolie. Elle avait plutôt l'allure d'une statue de Praxitèle. C'est exact. Mais bon, c'était limité un peu à ça. Vous avez vu, vous vous rappelez, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste, mais enfin, il y a eu la police belge qui a débarqué chez elle, vice-présidente du Parlement européen à Bruxelles. Elle a débarqué, la police a débarqué chez elle. Ils ont foncé, ils avaient dû avoir des renseignements, je ne sais pas. Ils ont foncé sur le lit, ils ont soulevé le matelas et il y avait 180 000 euros en billets de banque sous le matelas, entre le sommier et le matelas. Ils lui ont dit « C'est quoi ça ?» Et elle a dit « Je sais pas. » Bah, écoutez, ça peut arriver, hein. L'autre jour, j'ai soulevé mon matelas, il y avait 80 000 euros, je me suis dit « Bon... » Écoutez, regardez, c'est arrivé à la mer d'Avalon récemment. On a découvert 1 kilo de cocaïne, 70 kilos de cannabis, 20 lingots d'or, et on lui a demandé « C'est quoi ça ?» Elle a dit « Bah, je sais pas. » Ce sont des choses qui arrivent, hein. Alors nous, comme on est un peu bêtes, on demandera quand même d'essayer de savoir ce dont il s'agit. Mais on fera aussi, on demandera des comptes, par exemple, sur la guerre avec la Russie. Nous, on demandera, si on a des députés européens, on refusera de voter pour donner des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. Il y a eu un vote il y a 3 mois là-dessus pour donner encore 50 milliards d'euros. C'est pas l'Ukraine d'ailleurs, c'est au régime Zelensky, hein. Et donc il y a eu 50 milliards d'euros. Tous les parlementaires français au Parlement européen ont voté pour cette résolution, sauf les députés du RN, reconnaissons le leur, mais qui se sont abstenus. Abstenus. Monsieur Bardella, il s'est abstenu sur les 50 milliards. Mais nous, on s'abstiendra pas. Nous, on votera contre. On votera contre l'envoi d'argent. On votera contre l'envoi d'armement. On votera également pour la levée, l'arrêt des sanctions contre la Russie. Pourquoi ? Ben parce que j'ai des valises de Poutine, bien sûr. Ben, faut le reconnaître. Non, mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que ce ne sont pas des sanctions contre la Russie. Ce sont des sanctions contre la France et l'Europe et l'Allemagne. Vous avez vu, aujourd'hui même, j'ai fait un tweet ce matin, en sortant de l'avion, quand même. Le Fonds monétaire international, pour l'année 2024, a réévalué pour la deuxième fois à la baisse le taux de croissance prévu pour l'économie française. Monsieur le romancier de Bercy, là, monsieur Le Maire, avait dit encore en février que ce serait 1% de taux de croissance, ce qui est vraiment minus, 1% de taux de croissance. Ben non, ça sera 0,7 maintenant. Mais le même Fonds monétaire international, en revanche, a réévalué le taux de croissance de la Russie, qui sera non pas de 2,7, mais de 3,2. Ah oui, merde, c'est-à-dire 4 fois et demi plus de croissance en plus en Russie par rapport à nous. Donc, les sanctions que nous menons, c'est des sanctions contre nous. Vous savez qu'on a atteint des sommets invraisemblables dans ce domaine d'asservissement des peuples d'Europe à l'oncle Sam. Je rappelle quand même que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Tout le monde le sait. D'ailleurs, ils l'ont dit. Madame Victoria Nuland, c'était le 28 janvier 2021, elle a, donc avant l'invasion russe en Ukraine, elle a dit que si la Russie intervenait en Ukraine, Nord Stream ne fonctionnerait plus. Ensuite, le 7 février, le président Biden, enfin ce qu'il en reste, hein, président Biden, il a dit ce qu'avait dit Madame Victoria Nuland. Voilà, Victoria Nuland, c'est typiquement l'état profond. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, enfin on en parlera, il y a peut-être des spécialistes, vous avez vu qu'elle a été dégagée dans des conditions un peu bizarres. Enfin bon, Joe Biden, le 7 février, a dit, il recevait le chancelier Scholz, il a dit, ben écoutez, si les Russes interviennent, Nord Stream 2 ne fonctionnera plus. Et à ce moment-là, il y a une journaliste allemande qui a dit, mais comment vous pouvez dire ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, en fait ? Et donc Biden a pris un sourire léonardesque. Hein. Bon, il a un lointain rapport avec la Joconde. Il a pris un sourire léonardesque et il a dit
Oui, mais ne vous inquiétez pas, on saura faire. Quelques mois après, donc, il y a les explosions. Après ça, quelques mois après, vous avez Seymour Hersh, qui est l'un des principaux journalistes d'investigation au monde, qui explique comment ça s'est passé, les Américains, l'aéronavale norvégienne, etc. Et officiellement, aujourd'hui, les pays européens ne savent toujours pas ce que c'est. C'est incroyable. Je savais que Nord Stream était possédé à 50% par la Russie, mais était possédé à 20% par l'Allemagne, 10% par l'Autriche, 10% par la France, par Engie, et 10% par les Britanniques. Quand même 10%, c'est un acte de guerre qui a été commis contre nous. Alors lorsqu'il y a une bombe qui explose dans un sport, dans un théâtre, dans la banlieue de Moscou, dans l'heure qui suit, on sait qui sont les responsables. Mais lorsque... là, il y a un truc qui nous concerne directement. Au bout de 2 ans, on ne sait toujours pas. Donc ça montre le degré d'avachissement des pays d'Europe. Et pour en revenir à ce que je disais, on a quand même des sanctions assez incroyables, puisque les Américains nous forcent à avoir des sanctions contre la Russie qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. T2, ils continuent à acheter directement du gaz à la Russie. C'est incroyable. Il y a même encore mieux. C'est 3 étoiles dans le Michelin. Renseignez-vous sur le gazoduc Droujba. Ça veut dire Brotherhood, fraternité. C'est un gazoduc qui livre du gaz à la Hongrie et qui transite par le territoire ukrainien. Et bien les Ukrainiens le laissent fonctionner parce qu'à chaque fois, ils ont des royalties versées par la Russie. Mais c'est incroyable, en fait. C'est absolument incroyable. Alors nous, si on a des parlementaires européens, ben là, on mettra les pieds dans le plat. Voilà ce que l'on fera à tout moment. On demandera des comptes aussi à Madame von der Leyen pour savoir... Comme vous savez, elle avait passé un contrat, là, 41 milliards d'euros de coco. C'était Albert Bourla, le type de Pfizer. Tu m'en mets pour 41 milliards d'euros d'injection à RNM. On n'a jamais vu le contrat. On ne sait pas ce qu'il y avait dans les produits. Elle avait traité ça. Il y a quand même normalement des appels. Il y a peut-être des gens parmi vous qui travaillent dans les collectivités publiques. Normalement, il y a des règles pour passer des appels d'offres pour les marchés publics. Un peu à partir de quelques milliers d'euros. Là, c'est des 41 milliards d'euros. Elle a fait ça comme ça par un SMS. On sait qu'il y a des dizaines... Elle avait commandé, je crois, pour 500 millions d'injections... qu'est-ce que je dis? Pour 5 milliards, je crois, d'injections. C'est-à-dire 10 injections par tête de pipe. Enfin, c'est du délire, quoi. Il y a plus les 3/4 qui ont été jetés. Enfin, tout ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Ben là, on demandera des comptes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'opposition en France. C'est ça tout le problème. Donc nous, on demandera des comptes et on interviendra autant que possible pour appeler les gens à avoir un sursaut, en fait, pour se manifester. Je vais terminer ici mon propos parce que je voudrais vous laisser la parole pour que vous ayez le temps de me poser le maximum de questions. Il y a actuellement des grandes manœuvres qui sont à l'œuvre. J'en ai parlé l'autre jour sur LCP et j'ai sorti récemment une vidéo que vous avez peut-être vue. Et tous les événements, malheureusement, qui surviennent depuis cette vidéo vont dans le même sens de ce que je disais. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent que je joue les Cassandres. Oui, c'est-à-dire que je dis des mauvaises nouvelles. Mais je rappelle aux gens qui me disent ça que s'ils se connaissaient bien leur théâtre antique, Cassandre effectivement annonçait des mauvaises nouvelles, mais justement qui arrivait. Elle avait raison. Donc ce qui se passe actuellement, c'est des grandes manœuvres pour la succession de Madame von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, because à chaque tous les 5 ans, il y a donc un renouvellement de la Commission européenne, du Parlement européen et un renouvellement complet de la Commission européenne. Et donc le nouveau président de la Commission européenne est formellement élu par le Parlement européen. J'en profite pour rappeler, vous savez quels sont les pouvoirs des parlementaires européens. Ils sont très faibles. Ils ne sont plus aussi inexistants qu'avant. Au départ, c'était l'Assemblée consultative des communautés européennes. Maintenant, ça s'appelle le Parlement européen. Il est élu au suffrage universel depuis ce coup de génie de Giscard en 1979. Et donc depuis lors, il y a eu un petit peu plus de pouvoirs qui ont été donnés aux parlementaires européens. Quel est leur pouvoir? Ils élisent
le président du Parlement européen, mais dans les conditions sur lesquelles je vais revenir dans la minute, ils avalisent les nominations des commissaires européens un par pays, enfin qui sont déjà tous choisis par les... Ils votent le budget de l'Union européenne, mais c'est un truc, un merdier tellement incroyable, avec des milliers de pages, et puis ça a été... Évidemment, il s'agit de traiter 27 pays... En fait, c'est comme le vote du budget dans un Parlement. Il y a très peu de choses qui sont modifiées. Et puis les parlementaires européens également avalisent 70% des directives européennes, c'est-à-dire l'équivalent des lois. 70% en moyenne, pas 100%. Il y a à peu près 30% qui échappent à leur pouvoir. C'est le nom de pouvoir de voter que sur les directives européennes dites ordinaires. C'est pas les trucs stratégiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions européennes sont une espèce de monstre à l'égard de ce qu'on nous a appris quand on était au lycée, hein, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu. Normalement, dans un pays, il doit y avoir le législatif, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, la Commission européenne est un peu les trois en même temps. Elle est l'exécutif, c'est elle qui mène les politiques définies par les traités européens. Elle est également le législatif, parce que c'est elle qui propose les fameuses directives. Mais cette directive, ce qu'il faut savoir, et personne ne le dit, c'est qu'elle a le monopole de proposer les futures lois européennes. Monopole. Hein. C'est-à-dire qu'un groupe au Parlement européen ne peut pas avoir l'idée de proposer une directive. Un chef d'État ou de gouvernement n'a pas le droit de proposer une directive. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est le monopole est réservé à la Commission européenne. Or, la Commission européenne, ce sont des milliers de fonctionnaires venant de 27 États, qui sont tous au Berlaymont à Bruxelles. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Bruxelles. Il y a des dizaines d'immeubles. Je crois qu'il y a 75 immeubles, plein de fonctionnaires. Et qui sont confrontés à 5500 lobbies. Donc ce sont des lobbyistes qui viennent en permanence leur dire, voilà, par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, fabricant d'engrais ou de pesticides, etc. Bah, Bayer, par exemple, ou Monsanto, qui sont comme des... Ils ont des dizaines de lobbyistes qui vont dans les bureaux des fonctionnaires en disant « Voilà, on a trouvé... Ça, c'est un formidable projet de directive. Voilà, si vous voulez, d'ailleurs, on va vous montrer les résultats bénéfiques de ce nouveau produit phytosanitaire extraordinaire. On a expérimenté au Costa Rica... On fait un voyage d'études, si vous voulez bien venir avec votre épouse, 15 jours tout frais payés entre Noël et le jour de l'an. On va vous montrer les beautés du Costa Rica, bien sûr, mais aussi on vous montrera. Bon, enfin, tout, c'est vraiment ce truc insidieux qui est à la limite de la corruption. Et donc c'est comme ça qu'arrivent les directives. Et donc les parlementaires européens ne peuvent finalement que voter ce genre de truc sans avoir l'initiative. Ils ont également un pouvoir, les parlementaires européens, c'est qu'ils passent leur vie à donner des leçons de morale à la planète entière. Voilà. Allez feuilleter, c'est extraordinaire, le journal des communautés européennes. À chaque session, vous avez 15-20 pays qui sont épinglés parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc en permanence, alors on va taper sur la Guinée équatoriale parce qu'il y a je sais pas quoi, il y a eu une manifestation réprimée... Après ça, c'est en Chine sur les Ouïghours. Après ça, c'est en Iran parce qu'il y a des femmes qui portent le voile, elles ne le veulent pas. Après ça, c'est au Malawi parce que le président a fait un truc qui n'était pas bien. Après ça, ça concerne des pays d'Europe aussi. Après ça, c'est la Hongrie parce que Orban a encore fait une sortie. Et puis après ça, c'est la Russie. Et puis le Venezuela. Et puis si. Et puis enfin, tout le monde y passe. Hein, le Paraguay, le Libéria. C'est incroyable. Et donc, il donne comme ça... C'est comme disait Rabelais dans un de ses livres. Il ressemble à des coxigrues qui bombinent dans le vide. Voilà. Ils font du paplard. Mais c'est incroyable, en fait. Ils donnent des leçons de morale à la planète entière, des leçons de démocratie. Bien. Donc ça, c'est les pouvoirs du Parlement européen. Et donc, vous comprenez bien, d'ailleurs, au passage, à quel point vous faites l'objet d'une espèce de manipulation gigantesque. Puisque j'y reviens, les listes qui viennent se présenter devant vous vous disent tous « Moi, je vais faire une Europe ci, une Europe ça ». Ils n'en ont pas le pouvoir avec les traités européens existants.
Ils n'ont même pas le pouvoir de fixer une nouvelle directive. Donc quand ils vous disent qu'ils vont changer l'Europe, ils vont faire comment pour changer l'Europe ? Hein, je prends un exemple qui est l'exemple en matière d'agriculture. En matière, vous savez qu'il y a énormément, j'en parlais tout à l'heure, d'exploitations agricoles familiales qui sont en plein déclin. Ben, ces exploitations agricoles familiales, j'ai pas rêvé, il y a des manifestants agricoles en France, en Allemagne, en Italie. Et pourquoi ça ? Alors pour être schématique, mais l'idée générale, elle est là, c'est que la politique agricole commune fixée par les traités européens réside dans les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ah oui, je fais ici une incidente. Je suis resté célèbre en 2017 pour connaître les articles des traités. Et donc on s'est foutu de moi parce que je savais de quoi je parlais. Ah, c'était inimaginable d'avoir quelqu'un se présentant devant les Français qui savait de quoi il parlait. C'était surtout pas. Faut surtout avoir quelqu'un qui fait de l'émotionnel. Hein. Et moi aussi je pourrais faire de l'émotionnel. J'ai toujours été un grand Européen. Je suis un Européen convaincu. Plus jamais de Verdun. Alors là, j'aurais du TF1 toute la journée. Hein. Mais à partir du moment où on entre dans le sujet et qu'on explique réellement ce qui se passe, là, d'un seul coup, ça ne suit plus. Alors les traités européens, l'article 38 et l'article 39, fixent à la politique agricole commune comme objectif l'augmentation de la productivité agricole. Point. Pas tout à fait point barre, parce qu'il y a deux, trois petits considérants, mais fondamentalement, c'est ça. Est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'un traité sans limitation de durée qui fixe comme objectif politique l'augmentation de la productivité agricole ? Là, je note d'ailleurs au passage que ce ne sont pas des traités ou pas une constitution, puisqu'ils fixent des politiques. Et en fait, ça veut dire quoi ? On aurait pu imaginer qu'il y ait un article qui dise que l'objectif de la politique agricole commune européenne, c'est premièrement augmenter la productivité, mais c'est deuxièmement maintenir des exploitations, un minimum d'exploitation familiale en zone rurale, troisièmement favoriser la qualité organoleptique des aliments, et quatrièmement maintenir des cultures traditionnelles, par exemple ici, je ne sais pas, le géranium, la vanille ou la canne à sucre, ça aurait pu être des idées qu'ils auraient pu avoir. C'est non. La seule chose qui compte, c'est la qualité, c'est l'augmentation de la profitabilité. Donc il se produit année après année ce qui devait se produire, c'est que toutes les politiques qu'ils ont prises dans cette direction mènent en fait, par exemple, à la signature de traités de libre-échange avec le monde entier, l'objectif étant de diminuer les coûts, d'augmenter la productivité, il doit se passer au bout du compte ce qui se passe, c'est-à-dire progressivement la disparition des petites exploitations au profit d'immenses exploitations qui sont productives face à la concurrence venue du Brésil, venue de Nouvelle-Zélande, etc. Donc les responsables politiques qui viennent devant vous, par exemple les Républicains, ils considèrent depuis Chirac que les agriculteurs, c'est leurs électeurs. Donc les Républicains, ils disent on veut une agriculture qui protège les agriculteurs. On veut une Europe qui protège les agriculteurs. Mais ils vont faire comment, en fait ? Pour changer l'Europe en matière agricole, il faut changer les articles dont je viens de parler. Il faudrait justement qu'il y ait un article qui dise, celui que je disais, que la politique agricole commune a pour objectif d'augmenter la productivité, de maintenir les en zone rurale, de maintenir des cultures vivrières, ça. C'est ça qu'il faudrait. Mais on fait comment pour changer les traités ? Ben, il faut qu'il y ait les 27 gouvernements qui soient d'accord. Et c'est là que le bât blesse et qu'on tombe toujours sur le même problème qui est le problème fondamental de la construction européenne, c'est qu'il n'y a pas un peuple européen, il y a 27 peuples. Et lorsque vous voulez défendre par exemple la production, mettons, je ne sais pas, de tomates, des tomates cerises en Bretagne, ça fait plaisir aux agriculteurs en français qui font des tomates cerises en Bretagne, mais qui se plaignent eux, qui souffrent de la concurrence des tomates cerises fabriquées au Maroc. Qui arrête 5 fois moins cher. Donc les agriculteurs français, ils voudraient avoir une politique européenne qui empêche d'importer des tomates cerises venues d'Espagne, venues du Maroc, pardon. Mais le problème, c'est que ça concerne... Il y aura ceux qui seront d'accord, il y aura peut-être les Italiens et les Espagnols. Mais les Scandinaves, les Suédois, ils s'en foutent complètement de sauver l'emploi à Plougastel d'Aoulas, hein, en Bretagne, pour ceux qui font des tomates cerises. Eux, ils préfèrent acheter 5 fois moins cher des tomates marocaines.
Il y a le problème. Donc le Danemark, la Suède, la Finlande, ils voudront surtout pas avoir un traité qui favorise les cultures des pays du Sud. Ou alors, s'ils le font... Alors il va falloir négocier. Donc que diront le gouvernement de Stockholm, d'Helsinki? Donc attendez, nous, l'intérêt des Finlandais, c'est de payer un truc moins cher. Là, vous nous forcez à payer plus cher, mais on va ouvrir d'autres dossiers. On va ouvrir, par exemple, la question de la pâte à papier. On va ouvrir la question, je sais pas, des investissements étrangers, etc. Et donc, d'un seul coup, vous ouvrez tous les dossiers les uns après les autres. Et c'est un blocage. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne négocie plus de nouveaux traités. Mais à supposer même qu'il y ait 27 gouvernements qui tombent d'accord sur une nouvelle Europe, sur un nouveau traité, il faudrait qu'il y ait ensuite 27 parlements nationaux qui ratifient. Puisque la signature est une chose, la ratification en est une autre. Je rappelle qu'en fin 2004, le gouvernement français avait signé la Constitution européenne, fin 2004, le gouvernement néerlandais aussi. Le 29 mai 2005, 55% des Français ont refusé la ratification. Mais les Néerlandais, 62%, trois jours après. Ce qui prouve que signature et ratification sont deux stades différents. Ce qui prouve donc que pour changer les traités, il faut 54 institutions différentes qui soient d'accord sur le même truc. Ça n'arrivera jamais. Et le plus extraordinaire de tout ce que je viens de vous raconter, si vous m'avez suivi, c'est que ça concerne des gouvernements nationaux et ça concerne les parlements nationaux. Mais ça ne concerne à aucun moment les députés européens. Ils ne voient pas une balle passer sur ce truc. Le résumé de tout ça, c'est que tout ce que vous entendez à la radio, on est dans un monde irréel, en fait. Vous avez monsieur machin qui vous dit qu'il veut une Europe machin chose. Ils n'en ont même pas le pouvoir. Ils n'en ont pas le pouvoir. Et face à ça, eh bien, il y a ma personne qui essaye d'expliquer ce qui se passe devant les Français. Mais évidemment, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'expliquer aux Français ce qui se passe. Voilà. Il faut que les Français avalisent cette affaire. Il faut que les Français ne sachent pas ce qui est en train de se tramer à Bruxelles. Et je terminerai là-dessus. J'avais commencé à le dire. Le Parlement européen, les parlementaires européens, ils ont un pouvoir, celui de choisir le prochain président. En fait, c'est pas vrai, puisqu'en réalité, le président est choisi et présélectionné par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. C'était Macron, avec Madame Merkel, sous le regard bienveillant des États-Unis d'Amérique, qui avait choisi l'inénarrable von der Leyen. Bon. Depuis quelques semaines, vous l'avez peut-être remarqué, si vous regardez très près les informations, Madame von der Leyen, il ne se passe pas de jour où elle n'est pas attaquée dans la presse. Avec un truc qui s'appelle le Piepergate, parce qu'elle a nommé un type qui s'appelait Marcus Pieper, et donc elle l'a nommé à un poste bien rémunéré, style 22 000 euros par mois, alors qu'il n'avait pas vraiment... Enfin, ça, c'est... Il n'y a que ça à Bruxelles. C'est vraiment... Vous savez, c'est comme Al Capone tombant sur une affaire de fraude fiscale. Ils ont décidé, l'oligarchie a décidé de se débarrasser de Madame von der Leyen. Et au même moment, vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui est là, tapis dans l'ombre, qui s'appelle Monsieur Mario Draghi, qui est prêt à lui succéder. Et je vois que ce succède de nouveau, encore depuis que j'ai fait cette vidéo, Mario Draghi qui est là, qui a des ambitions pour l'Europe et qui veut une Europe grande puissance. Alors je vous signale, vraiment, là, c'est très grave, hein, parce que ça veut dire quoi, ce qu'ils ont à l'esprit, ces gens-là? Une Europe grande puissance, ça veut dire que l'Europe se devient un État. Il l'a dit, hein. Mario Draghi a dit « Je veux ». Mario Draghi, c'est pas n'importe qui, hein. Il a été vice-président de Goldman Sachs International, une très grande banque d'affaires. Il a été, par ailleurs, président de la BCE. Après ça, il a été président du Conseil italien, sans jamais être passé par la case élection, d'ailleurs. Donc c'est typiquement... le porte-parole de tout ce qu'on aime, hein, le World Economic Forum, le club de Bilderberg dont il fait partie, etc. Donc il ne parle pas... Si les médias lui donnent la parole, c'est qu'ils ont instruction de lui donner la parole. Or, si M. Mario Draghi devient président de la Commission européenne, son projet, il l'a dit et redit, sous couvert que l'Europe devienne une grande puissance, c'est que l'Europe se proclame comme un État, l'Union européenne. Si l'Union européenne devient un État, la conséquence immédiate sera... qu'il y a 27 États des Nations Unies qui ne seront plus membres des Nations Unies, dont la France.
L'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, les Pays-Bas. Ben oui, parce que vous avez aux Nations Unies, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas la Californie, l'Alabama, la Floride ou le Rhode Island. Ça veut donc dire que la France quitte son siège, voilà, et qu'elle laisse son siège au Conseil de sécurité. C'est plus qu'une catastrophe. Ça veut dire que c'est la destruction de la France qui est programmée, puisque nous aurons actuellement, il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Et si les Français sont assez bêtes pour se laisser mettre dans le cerveau, quelqu'un comme Glucksmann, agent américain, il est pour ça, hein. Tous ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, Bardella, Madame Marion Maréchal, y compris, sont pour ça. C'est-à-dire que dans les mois, les semaines, les mois qui viennent, les années qui viennent, on va avoir une chanson sur le thème « Il faut que l'Europe devienne une grande puissance », qu'on devienne les États-Unis d'Europe. On nous sortira le discours de 1849 de Victor Hugo pour l'occasion devant le Congrès de la paix, dont on se gardera bien d'ailleurs de dire tous les tenants et les aboutissants, tellement ils sont scandaleux à notre époque. Mais donc si les Français sont assez bêtes pour se lancer là-dedans, ça veut dire que le Conseil de sécurité dans 5 ans, ça sera les États-Unis, la Russie, les 5 grandes puissances avec droit de veto, la Chine, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui sera sorti du truc tout doucement pour conserver ses billes. D'autant plus que l'Union européenne, la France est complètement minorisée, ça sera en fait un siège à l'Allemagne vassale des États-Unis. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien ce qui pourra se passer ensuite dans la foulée, c'est qu'à partir du moment où la France ne serait plus un État, ça ne serait plus qu'un État fédéré, n'ayant plus ni sa monnaie, ni de siège au Conseil de sécurité, ni de diplomatie personnelle, etc., ben ça veut dire que ça sera comme un canton helvétique. Et il pourra se passer ce qui s'est passé en 1978 en Suisse, où par l'effet d'une votation, le nord du canton de Berne, qui était francophone, a demandé sa scission du canton de Berne, qui lui a été accordée. Donc c'est un 26e état de la Confédération helvétique qui s'appelle le canton du Jura. Et donc on pourra très bien avoir, dans quelques mois ou quelques années, la collectivité européenne d'Alsace que Macron a faite dans le dos des Français en disant ben voilà, Strasbourg maintenant va négocier directement avec Bruxelles, c'est un nouvel État fédéré. Et donc la France, l'Alsace française depuis Louis XIV n'existera plus. Après, ça sera la Corse qui a demandé, M. Jean-Guy Talamon, et a dit je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE. Et après, ça sera Breizh, la Bretagne. Et puis ça sera la Catalogne en Espagne, Galicia, País Vascos, ça sera Flanders. C'est-à-dire que les États-Unis seront arrivés à leur objectif géopolitique fondamental, qui est la destruction des États-nations, selon la théorie divide and conquer, et surtout sur la destruction de la France. Alors l'ultime point avant de vous donner la parole, c'est que les conséquences pour l'île de la Réunion, méfiez-vous, hein, parce que les gens qui sont à la tête de tout ça... Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se contrefoutent complètement de l'outre-mer français. Déjà, ils ne s'y intéressent pas. Vous avez vu comment Macron, quand il était allé à Mayotte, avait plaisanté sur qu'on pêchait le Comorien. C'était une honte. Vous savez qu'ensuite, il était allé en Guyane, il croyait que c'était une île. Enfin bon. Actuellement, M. Macron est en train de nous prévoir un nouveau statut de la Corse, un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. En fait, on a des gens qui sont là pour détruire le pays, hein, et pour se débarrasser, parce que tout ça coûte cher, en fait. Voilà. Actuellement, il y a des projets ici sur l'octroi de mer. C'est un serpent de mer. Vous savez que c'est l'Union européenne qui est derrière, encore une fois. L'octroi de mer, elle a ses qualités, ses défauts. On doit pouvoir l'ajuster. Mais fondamentalement, il s'agit de piquer de l'argent à l'île de la Réunion, qui actuellement est gérée par les Réunionnais eux-mêmes, et que ça ne soit plus le cas, parce que l'État n'a plus d'argent. Et quand je vois qu'on dépense des milliards, des dizaines de milliards pour envoyer à l'Ukraine, etc., alors que, bon, la Réunion n'est pas la plus mal lotie, mais si vous êtes déjà allé à Mayotte, par exemple, ou bien si vous êtes allé en Guyane, c'est une honte.
C'est une honte, le sous-équipement public qu'il y a en Guyane française. Êtes-vous déjà allé à Maripasoula, la plus grande commune de France, hein, je crois? On ne peut pas y aller, sauf par avion. Il n'y a pas de route. Voilà. Il manque des dizaines d'écoles en Guyane française. Il y a eu un soulèvement populaire. On a fait taire, etc. C'est ça, la vérité. Donc la vérité, c'est qu'en fait, on a affaire à des gens qui ont perdu tout sens de fierté nationale. Au lieu de valoriser l'outre-mer français pour ce que ça devrait être, c'est-à-dire un joyau formidable, vous savez que sur le numéro 3 de ma liste, le général Henri Roure, que j'ai interviewé récemment, qui sera le numéro 3 de cette liste, il rappelait ce que mérite d'être rappelé, c'est que maintenant, du fait de la loi de la Convention sur le droit de la mer de 1982 dite de Montego Bay, et des recalculs qui ont été faits sur les plateaux continentaux, la France a désormais la première zone économique exclusive du monde. Au lieu que la France valorise tout cet apport de l'outre-mer français, au lieu que la France, comme nous on le préconise, sorte de l'Union européenne, se rapproche des BRICS, les BRICS, le S, c'est l'Afrique du Sud, on n'en est pas très loin ici, au lieu que la France essaye de valoriser son modèle, justement, qui faisait l'envie du monde entier, on est en train, au contraire, de démolir la mère patrie, et puis le reste, eh bien, sera emporté comme fétu de paille. Voilà ce que je voulais vous dire. Il me reste maintenant à vous demander une chose, c'est à vous mobiliser le 9 juin. Pourquoi ? Parce que si le 9 juin, on franchit 5%, ici on avait fait à la Réunion 2,8% en 2019. Le fait de dépasser 5% nous paraît accessible. Il faudrait même que ce soit plus. Si au niveau national, ce qui n'est pas évident, même si les sondages disent qu'on est à zéro, je pense qu'actuellement, il y a de vrais sondages qui nous donnent à 3,5. Mais si vous comprenez toute la difficulté, c'est que si les médias disaient qu'on est à 3,5, ça créerait une dynamique qui nous est refusée. Et en plus de ça, les médias seraient obligés de m'inviter puisqu'on serait à 3,5. Donc en balançant des faux sondages, dont d'ailleurs, ils précisent toujours que c'est à 3,5 points près. Donc si on sort à 3,5, ils peuvent nous mettre à 0. Puis ils sont toujours, maintenant, c'est à 3,5 points près, c'est la marge d'erreur. Si on arrive à dépasser les 5%, nous aurons ces fameux députés européens qui feront du Nigel Farage, comme je vous l'ai dit, mais qui surtout imposeront le débat aussi bien au Parlement européen qu'en France. Puisque je vous mentirais si je vous disais que si nous avons des députés européens, on fera le Frexit. Pas plus que les autres, nos députés européens n'auront de pouvoir. On n'aura pas le pouvoir de faire le Frexit. Je le dis d'ailleurs à ceux d'entre vous qui se disent « Oui, mais quand même, est-ce bien raisonnable ?» Il y en a peut-être encore. Mais on n'en est pas là, on en est au stade du débat qui est interdit. Donc faites-vous plaisir. Même si vous avez traditionnellement voté pour le RN ou pour LFI ou pour je sais pas qui, faites-vous plaisir, envoyez un message même aux autres, ou les Républicains, envoyez-leur même un message qu'ils savent qu'on ne va plus pouvoir faire l'économie en France en général et dans les départements et territoires d'outre-mer en particulier, on ne peut plus faire l'économie de la question fondamentale, est-ce que oui ou non on reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Et c'est d'autant plus urgentissime que, comme vous le savez, ici, évidemment, vu du sud de l'océan Indien, on voit ça d'un petit peu plus loin. Mais en France, il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même très inquiets de l'évolution de la société, de la situation vis-à-vis notamment de la Russie, avec des gens va-t-en-guerre dont on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, à tel point nous sommes dirigés par des gens qui sont complètement inconséquents. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors maintenant, on passe à la section des questions dont vous êtes... c'est à vous. Bonjour, Daniel de Saint-Denis. J'avais une question. Sachant que dorénavant, il faut compter sur la manipulation, le mensonge, la tricherie de la part de nos représentants au pouvoir, est-ce qu'il est légitime, selon vous, de craindre quant à des résultats sincères, intègres, honnêtes de ces prochaines élections? Alors la réponse est oui. Nous, en tout cas, dans notre programme à nous, j'en profite pour le rappeler, parce qu'on a un programme très détaillé que personne, qu'aucun média n'a jamais divulgué, mais vous le trouverez très facilement en tapant Asselineau, programme présidentiel.
où j'avais eu la malignité d'avoir 27 chapitres, d'ailleurs, et le 28e, c'était la sortie de l'UE. Nous, en matière justement de processus électoral, nous, on refuse, si on arrive un jour au pouvoir, on interdira les votes électroniques, purement et simplement. On en reviendra à des urnes transparentes, avec le principe même du bulletin dans l'urne, et avec un décompte manuel centralisé en France, et non pas centralisé aux États-Unis. Donc voilà. Actuellement où nous sommes, ben, il faudra faire avec. Ce que nous demanderons à tous nos adhérents, sympathisants, c'est d'être présents dans les bureaux de vote, si possible de participer comme scrutateur, voire éventuellement participer à la tenue d'un bureau de vote, et notamment au moment de la sortie des urnes, d'être présents et de comptabiliser les... Voilà, parce qu'on saura quand même vite. Il s'agit d'une seule et même liste au niveau national, donc on saura quand même assez vite quelle tendance se dessine. C'est un petit peu plus facile peut-être que pour des élections législatives où chaque circonscription est un cas particulier. Mais il n'y aura pas d'autre solution que d'envoyer des gens voir sur place. Mais malheureusement, je suis inquiet comme vous sur l'évolution de la situation. Après tout, ils nous font tout, donc pourquoi ils ne feraient pas ça non plus, hein. Bonsoir, Jean-Luc de la Rivière Saint-Louis. Pensez-vous que l'armée va laisser faire, c'est-à-dire sur l'élimination pure et simple de l'État français? Pensez-vous que l'armée, notre armée, nos généraux, notre histoire va laisser cette initiative européenne d'éliminer notre pays comme ça? Moi, j'y crois pas. Sincèrement, je pense qu'à un moment donné... Qui vivra verra. Mais malheureusement, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une grande tradition en France, qui d'ailleurs est normale, d'obéissance au pouvoir politique... voilà, donc les hauts fonctionnaires et les militaires normalement doivent obéir au pouvoir politique, sauf s'ils ont des ordres manifestement illégaux. Je partage le sentiment que vous évoquez entre guillemets, entre pointillés plus exactement. Je pense que ce que la France subit depuis maintenant un certain nombre d'années aurait amené dans un certain nombre de pays un coup d'État militaire pour parce que là, en fait, Macron, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été catapulté à l'Élysée. C'est l'application d'un stratagème chinois, un des 36 stratagèmes, qui dit « L'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête ». Donc De Gaulle nous a laissé une constitution qui lui convenait très bien, qui était très efficace, mais qui nécessitait que le chef de l'État soit quelqu'un qui ait la vertu d'un ancien Romain. De Gaulle qui payait lui-même ses notes, ses timbres quand il était à l'Élysée. De Gaulle qui était... Tout le monde a pu cracher sur De Gaulle, mais jamais personne n'a reproché. Il y a deux choses que personne jamais n'a osé dire sur De Gaulle. Un, c'est qu'il fut anti-français. Et non, c'était quand même la quintessence du patriote. Deux, qu'il fut intéressé financièrement. Mais le problème, c'est que si après ça, après De Gaulle, vous avez des gens qui n'ont pas l'envergure d'un De Gaulle, qui sont des cas psychotiques, des cinglés, des cocaïnomanes, des gens qui sont intéressés par le pognon, des gens qui ont... qui sont schizophrènes, vous faites comment ? Le problème, c'est que la Ve République a affaibli les corps intermédiaires et Macron les a anéantis. La situation dans laquelle on est absolument baroque. C'est pas normal que quelqu'un... D'accord, on ne les représente pas. Mais vous vous rendez compte quand même que, par exemple, pour ces débats qui sont organisés en ce moment pour les élections européennes en métropole, il y a... Ça a été fait sur Public Sénat, ça a été fait sur LCP, ça va bientôt être fait sur CNews. Ils invitent toujours... Les huit, paraît-il, têtes de liste principales, dont par exemple M. Desfontaines, qui dans les sondages confidentiels dont je dispose, à moins que nous, du PCF. Et c'est les huit personnes en question, c'est M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Bellamy, Mme Ayer, M. Glucksmann, Mme Marie Toussaint de ELV, et Manon Aubry de LFI et M. Desfontaines du PCF, ce sont les huit. Les huit sont pour rester dans l'UE, dans l'euro. Et les huit sont favorables à l'Ukraine. Ça, c'est quand même un problème. Les sondages montrent en France que s'agissant du Frexit, s'il y avait un référendum demain, il y aurait 30 à 40% des Français qui voteraient pour le Frexit. Et encore, ce sont des sondages à froid. Je rappelle que fin 2004... Les sondages avaient indiqué que s'il y avait un référendum sur la Constitution européenne, il y aurait 70% de oui.
C'est pour ça d'ailleurs que Chirac avait lancé le référendum. En fait, les 70% de oui se sont transformés en 45%. Il y a eu 55% de non. Ce qui prouve à quel point les sondages méritent d'être pris avec beaucoup de précautions. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y a au minimum une forte minorité de Français, peut-être majoritaire, qui voudrait sortir de ça. Ils ne sont représentés par aucune tête de liste dans les débats agréés à la... C'est incroyable, en fait. Au point même, d'ailleurs, je l'ai dit à mes collaborateurs, je le dis là publiquement, parce que il faut absolument qu'on aille de l'avant. D'ailleurs, je vais peut-être avoir recours à l'appui de tous. Je pense qu'il faut falloir qu'on saisisse l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, pour demander des observateurs sur la façon dont se déroulent les élections en France. Je vois pas pourquoi on envoie des observateurs en Yougoslavie, en Russie, etc., en Moldavie et autres, pour vérifier est-ce que ça se passe bien, et qu'en France, personne ne fait comme si la France était le pays de la liberté et droits de l'homme. Non, on est devenu un pays avec une chape de plomb extraordinaire. J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que je reconnais quelque chose que j'avais déjà remarqué les années antérieures, c'est que vous avez quand même un peu de la chance, en fait, d'être ici. C'est qu'il y a quand même une liberté, me semble-t-il, d'expression plus grande. En tout cas, je suis invité demain sur Radio Freedom, Info 974, TV Créole. Enfin, j'ai la plupart des médias. Il y aura même, je crois, la première... Clic à nous, et puis la première qui viendra me faire un petit... Voilà, donc il viendra faire un petit truc, un petit shot. Bon, voilà. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on a quand même... C'est incroyable par rapport à la métropole. En métropole, on n'a rien. Rien de rien. Et on a, je vous dis, notre collaborateur qui a envoyé 155 appels téléphoniques, courriels. Il a eu une seule réponse, Pascal Pro. Voilà. Vous voulez qu'on vous embauche ? Non, non, on a eu plusieurs chargés de com' qui se sont suicidés. Tel Vatel, vous savez, qui attendait la marée au château de Chantilly pour Louis XIV. Non, c'est horrible. C'est horrible, on a affaire à un mur. On sait d'ailleurs très précisément, on a quand même quelques journalistes amis qui nous le disent sous le sceau du secret. Il y en a qui se sont retrouvés dans un cul de basse fosse. Il y en a qui nous ont dit, non, mais on n'a pas le droit de vous inviter. C'est ça, la vérité. Autre question. Allez-y. Bonsoir. Je suis Enguerrand Clerc du Tampon. Je ne vote pas pour vous déjà de base, mais j'ai quand même une question. J'entends très bien votre position de quitter l'Europe, l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Mais à votre sens, est-ce que ce sera suffisant pour sortir de l'influence américaine, des multinationales, des lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires et pétroliers et des GAFAM ? Écoutez, à chaque chose suffit. Voilà. Ce qui est certain, c'est que si on ne sort pas dans l'Union, on peut aller se coucher. Ah. C'est-à-dire que ceux qui sont les apôtres de la désobéissance au traité sont des gens foutres. Ce sont des gens qui se foutent de la gueule du monde. Je vise particulièrement, bien sûr, M. Mélenchon, mais pas que lui. On ne peut pas désobéir au traité. Alors, les gens qui disent on va désobéir au traité se foutent de la gueule. Pourquoi on ne peut pas désobéir au traité ? D'abord parce que la vie internationale, elle est régie par des traités. C'est la parole de la France qui est engagée. Et donc, si la France commence à dire eh ben écoutez, je ne vais pas faire, si vous ne voulez pas faire ce que je veux, je n'obéirai pas. D'abord, c'est placer les relations internationales sur un mode agressif. Moi, quand je dis qu'on va sortir de l'Union européenne, a priori, je ne dis pas que ça fera plaisir à tout le monde, mais a priori, personne ne peut nous en vouloir, puisque c'est prévu et organisé par les traités. C'est l'article 50. D'ailleurs, lorsque le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il y a eu beaucoup de cris et de grincements de dents, comme on dirait dans les évangiles. Mais enfin, au bout du compte, le Royaume-Uni est sorti. Et puis il reste en bon terme, en termes corrects, avec les partenaires. Alors que l'idée de vouloir imposer sa position à une Union européenne qui regimberait est une idée objectivement nationaliste et belliciste. Ça veut dire qu'on imposerait par notre vision à nous de ce que doivent être les services publics. Il faut bien comprendre que, encore une fois, nous avons 27 peuples différents dans l'Union européenne et qui n'ont pas la même histoire que nous.
Nous, les Français, depuis Saint-Louis, depuis 700 et quelques années, ils ont besoin d'un État fort qui assure la justice sociale. On est câblé comme ça. Les Français, ils ont besoin de ça. Ça n'est pas du tout le cas de pays scandinaves ou a fortiori des pays de l'Est qui ont, surtout après l'expérience communiste, qui eux veulent des sociétés ultra-libérales. Donc on n'est pas d'accord sur ces points fondamentaux. Alors c'est pour ça qu'il nous paraît nécessaire de sortir pour décider par nous-mêmes. Parce que sinon on fait quoi? On reste dans l'Union européenne et on fait quoi? En fait, on a une mécanique qui est absolument diabolique parce que l'Union européenne a fini par enlever aux États l'idée même d'avoir une politique nationale différente de celle des autres. Je vous rappelle qu'il y a un article des traités, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que chaque année, la Commission européenne publie un rapport, qui est le rapport des grandes orientations des politiques économiques, le rapport des GOPE, et qui fixe pour chaque État ce qu'il doit faire. Et ce sont des demandes qui s'accumulent année après année tant qu'elles ne sont pas satisfaites. Donc ça fait depuis maintenant un certain nombre d'années que la Commission européenne a exigé que l'on augmente l'âge de départ à la retraite, que l'on augmente les cotisations, que l'on augmente, que l'on privatise les services publics, que l'on mette le rail en concurrence, que l'on vende les barrages hydroélectriques français, que l'on privatise la pauvre. C'est dans tous ces détails-là que ça va. Et ça, c'est pour la France. Mais chacun a son pactage. Et ensuite, eh bien, il y a à partir de ça ce qu'on appelle le semestre européen. Et la France est obligée d'aller expliquer à Bruxelles. On a des ministres qui vont la corde au cou pour expliquer. Bon, bah, cette année, ils ont fait ça, ils n'ont pas pu faire ça et ça. C'est pour ça d'ailleurs que tout le débat politique français, en fait, est en fait un débat. Là aussi, c'est un débat factice. C'est que tous les gens qui arrivent aux affaires savent qu'à partir du moment où on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer ces politiques. Sinon quoi d'ailleurs? Tiens, qu'est-ce qui se passerait si par exemple on refusait d'appliquer une politique? Ça s'est déjà arrivé, hein, par exemple, sur des sujets un peu mineurs, mais pas tout à fait, par exemple, sur les OGM. Les OGM, il y a eu des directives OGM que les parlementaires français ne voulaient pas transposer en droit français, hein, puisque les directives européennes ensuite devaient être transposées dans chacun des droits nationaux. Normalement, on n'a pas le droit de refuser. C'est ce qui rend, d'ailleurs, ce qui vide de sens une grande partie du travail des députés, qui parfois se posent la question de savoir à quoi ils servent, les députés français, puisqu'ils servent à transposer les directives communautaires. Mais bon, il y en a pendant des années qui ont tordu, comme ils savaient qu'ils allaient se faire engueuler dans leur circonscription, ils ont dit « mais on va pas transposer la directive OGM ». Ça a tardé jusqu'au moment où la Commission européenne, en vertu des traités, les traités exigent dans ce cas-là que la Commission européenne défère l'État défaillant à la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg. La CJUE qui avait siégé, qui avait condamné la France à transposer au plus vite les directives européennes avec sinon une pénalité de 130 000 euros par jour de retard. 130 000 euros par jour, ça fait 1 300 000 en 10 jours, ça fait 13 millions en 100 jours et ça fait à peu près 40 millions d'euros par an pour ces affaires. Donc il y a d'ailleurs tous les ans une partie du budget français qui est consacrée à payer les amendes que nous avons jusqu'au moment où on va être obligé de les appliquer. Et encore, il s'agissait de quelque chose qui était un petit peu à la marge. Mais les politiques, ce que vous évoquez, qui moi me vont très bien, hein, moi je pense que par exemple sur l'affaire de la santé, il y a un véritable problème avec ce qui menace avec la réforme du traité de l'Organisation mondiale de la santé qui inquiète beaucoup de gens à juste titre. Nous, notre politique, j'en profite pour en parler tout de suite, c'est que on a dit que la France devrait se retirer de l'OMS du moins tant que il y a des puissances privées qui sont au conseil de l'OMS. Normalement, c'est une organisation qui ne devrait concerner que des États-nations, alors que vous avez, comme tout le monde le sait, le fonds, par exemple, Bill et Melinda Gates, qui donnent plus d'argent que les États-Unis d'Amérique. C'est un scandale. C'est en vertu de quoi, depuis quand est-ce qu'on a autorisé des puissances privées
donc évidemment bourré de conflits d'intérêts, à intervenir dans la fixation de la politique de santé mondiale. Donc ça, c'est un... Donc j'en profite un beau passage pour régler cette question. Nous, on dit qu'il faut que la France sorte de l'OMS et ne rentrera que lorsqu'on aura clarifié que seuls des États-nations peuvent faire partie de l'OMS. Donc voilà ces politiques-là. Mais si vous voulez, tout ça, ça n'est valable que lorsque la France a la maîtrise de ses propres politiques. Si on est astreint aux autres, on fait comment? Je ne sais pas. Parce que, imaginons, il y a des gens qui disent... J'ai vu des mélenchonistes qui disaient « Oui, nous, on va désobéir au traité, naniana, on en fait comme tête. » Bon, outre le fait que ça va être donc... je ne sais pas où on entre, là. On entre dans un conflit, en fait. Ah, on entre en conflit et on se met dans son tort. Moi, je sais pas, en règle générale, on évite d'entrer dans des conflits, et a fortiori quand on est dans son tort, en disant qu'on va faire une partie de bras de fer. Mais de surcroît, il n'y a pas que la Cour de justice. C'est que si la France refusait de déférer à la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien des États membres de l'Union européenne pourraient nous déférer à l'organisme suprême qui est la Cour internationale de justice de l'ONU, qui nous condamnerait aussi. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut dire et qui, en fait, est le plus puissant et dont on n'a pas parlé jusqu'ici, qui est la Banque centrale européenne. La France, malheureusement, est endettée d'une façon absolument catastrophique. On a une dette hors contrôle. Et la Banque centrale européenne a sur nous maintenant une prise, comme elle l'a sur l'Italie ou autre. Vous savez que normalement, d'après les traités européens, il est interdit que la Banque centrale européenne achète de la dette des États, des obligations du Trésor. Bon. C'est interdit. C'est expressément interdit. Sauf que Mario Draghi, celui-là même dont je parlais tout à l'heure, qui est un agent vraiment un des grands envoyés de l'oligarchie euro-atlantiste, il a fait avaler quand même une politique incroyable qui consiste en fait à violer les traités, mais avec la bénédiction de tous les marchés financiers, de tout le Bilderberg et compagnie, qui consiste à dire « Oui, d'accord, la BCE ne va pas racheter de la dette lorsqu'elle est émise, mais on va racheter sur les marchés financiers les obligations assimilables du Trésor émises par les États ». Donc ça, c'est un faux-semblant. En fait, il viole les traités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis lors, lorsque la France est en déficit, elle émet des obligations du Trésor, ce que jadis on appelait les bons du Trésor que nos grands-parents achetaient. Maintenant, on appelle ça des OAT. Sur 10 ans, il faut qu'elle trouve preneur. Donc elle trouve éventuellement des fonds d'investissement qui sont preneurs, mais qui peuvent ensuite s'en débarrasser. Et à ce moment-là, la Banque centrale européenne rachète pour éviter que les taux d'intérêt augmentent. Ça donne en fait... Bon, c'est des sujets un petit peu techniques. Mais ça donne en fait un pouvoir très important à la Banque centrale européenne. Et voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles Madame Meloni, hein, donc, dont s'inspire si étroitement Madame Marion Maréchal... Madame Meloni, elle a escroqué en fait les électeurs italiens. Elle a fait sa campagne électorale en disant qu'il y en avait assez des étrangers, qu'elle allait faire un blocus naval. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Elle a octroyé 458 000, excusez du peu, nouveaux titres pour les migrants pour la seule année 2024. Et pourquoi ça? Ben parce que tout simplement, la Banque Centrale Européenne a dit « Ma cocotte, t'as intérêt à filer doux, sinon on ne rachète plus d'obligations hein. ». Et les taux d'intérêt vont aller dans la... C'est pour ça qu'en fait, moi j'essaie toujours d'être cohérent, on ne peut pas être libre et indépendant si on n'a pas la maîtrise de ses lois, de son armée, de sa diplomatie, de sa monnaie. Voilà. Si les gens qui disent ça, je me rappelle Mélenchon qui avait traité de maréchaliste. Ceux qui voulaient sortir de l'euro, enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une monnaie, en fait. Voilà. Autre question, oui. Pardon, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir à tous. Juste une question concernant une espèce de, on va dire, stratégie électorale, à savoir l'objectif étant d'atteindre ces fameux 5% et plus. Il y a 47 millions d'électeurs, en sachant qu'à chaque élection européenne, c'est environ entre 45 et 55% d'abstention. Est-il judicieux d'appeler les abstentionnistes à aller voter? Je m'explique. Ne serait-il pas plus judicieux de demander à tous les abonnés, ne serait-ce que YouTube, à environ 450 000 personnes, et ces 450 000 personnes qui vous sont
accrédité. Allez, en imaginant qu'il y ait 10% d'abstention, nous prendrions donc 400 000 abonnés YouTube qui pourraient aller en mairie chercher des, ce qu'on appelle des, exactement, des procurations et pouvoir inciter des amis qui n'iront pas voter à aller voter à leur place. Je pense que ça serait peut-être plus judicieux que d'inciter les abstentionnistes à aller voter, car à ce moment-là, le taux de participation serait plus élevé et les 5% seraient peut-être plus difficiles à atteindre. Alors, merci pour cette remarque qui est pleine de sens. Alors, en fait, d'abord, effectivement, nous avons 448 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Il n'est pas sûr que ce soit 448 000 partisans. On a aussi pas mal de gens qui nous suivent pour pomper les idées qu'on retrouve ici ou là dans la bouche de gens parfois très surprenants et qui reprennent certains morceaux. Donc on n'est pas uniquement, malheureusement, mais cela étant, vous avez raison, il y a quand même une large majorité des gens qui nous suivent. Alors deuxièmement, vous allez un peu dans le sens de ce que l'on fait, c'est vrai que je n'ai pas encore fait ça directement, mais c'est ce que je conseille dans toutes les réunions publiques. Si vous avez autour de vous des gens qui sont prêts à... qui n'ont pas envie d'aller voter, qui ne savent pas pour qui voter, faites-vous faire des procurations. Pas plus de deux par personne. Hein, c'est limité à deux. Mais effectivement, si chaque personne pouvait se multiplier par deux, c'est-à-dire en fait, au lieu d'avoir une personne, on a trois votants, c'est évidemment excellent. Donc je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison que j'en parle. Peut-être vous avez raison. Je vais peut-être faire, comme vous le conseillez, une vidéo. Quand je m'adresse aux abstentionnistes, c'est quand même pour quelque chose. C'est que je sais qu'il est très difficile de faire changer des gens qui sont très convaincus. Des gens qui sont très convaincus de voter pour Marion Maréchal ou pour Bardella ou pour Manon Aubry ou pour Bellamy. C'est très difficile de les faire changer de point de vue pour toute une série de raisons psychologiques. Il y a des gens qui... Et, vous savez, on est dans un univers, comme l'a écrit un professeur au Collège de France qui s'appelle Jacques Bouvresse, qui a écrit un livre qui s'appelle « La volonté de ne pas savoir ». Et on est confronté à beaucoup de Français qui, quand vous leur montrez sous le nez le truc, ils détournent le regard, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas entrer dans le raisonnement. Voilà. C'est pas possible. Quand je dis que Marion Maréchal, je suis désolé, ou que Bardella, ou que Mélenchon lui-même roule pour le système, ils ne veulent pas l'admettre. C'est forcément faux, puisque je ne suis pas de leur parti. C'est comme ça. Bon, ça va durer, je ne sais pas comment. Jusqu'à l'effondrement du pays, peut-être, hein, c'est possible. Mais c'est comme ça. En revanche, il y a beaucoup d'abstentionnistes qui sont des gens qui n'ont pas un avis très, 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 très tranché sur le sujet. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, je l'ai dit tout à l'heure, je y reviens dessus. Ce sont des élections qui ne sont pas déterminantes, en fait, puisque les parlementaires européens n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc ça n'est pas grave, en fait, si... imaginons, même des gens, par exemple, qui se diraient « Oh là, j'ai très très peur du Frexit ou autre », de toute façon, si on a 5 ou 6 députés, on pourra pas le faire. Mais nous, ce que l'on veut, c'est que donnez-nous notre chance pour permettre que le débat commence à avoir lieu. On demande rien d'autre. Hein. Moi, je demande rien de mieux que de débattre avec Madame Le Pen, avec Monsieur Bardella ou Monsieur Mélenchon ou Monsieur Desfontaines. Je ne demande rien d'autre. Mais ceux qui ne veulent pas. Hein, donc à partir du moment, là, il s'agit de forcer les gens à considérer que la question de la sortie de l'euro et de l'OTAN, ne l'oublions pas, sont des questions qui méritent, qui doivent être posées. Et je peux raisonner un peu dans le sens inverse. C'est-à-dire que si on fait un score qui est celui que souhaitent les médias, puisque en nous invisibilisant, ils font tout pour qu'on reste à un truc du style 2%. Donc ça veut dire qu'effectivement, les Français qui n'auront pas voté pour nous, en fait, auront donné d'une certaine façon quitus à ceux qui ne veulent pas que ce débat ait lieu. Voilà. Donc c'est une formidable de lutte contre l'obscurantisme. On est face à une période obscurantiste.
Merci d'être là, monsieur Asselineau, merci à tous. Ma question, vous y avez répondu tout à l'heure en partie, mais j'aimerais avoir une confirmation, puisque le collectif national de soutien au docteur Louis Fouché, qui représente plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'adhérents, vous a envoyé donc une interrogation, enfin une question, enfin à toutes les têtes de liste, aux 22 têtes de liste, je crois, et seulement 20% y ont répondu, dont Florian Philippot. Ce collectif national donc a envoyé une question qui portait sur le contenu effroyable du traité de l'OMS qui pourrait être signé fin mai 2024, qui donne tout pouvoir à l'OMS pour déclarer une pandémie et la gérer à la place des États. Apparemment, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas donné votre position. Qu'en est-il ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur de stratégie, puisque vous venez de nous dire qu'il fallait absolument convaincre ? Si on veut convaincre, il faut aussi être visible. Et dans ce collectif, je pense qu'il s'agirait d'y répondre convenablement, de manière à éclaircir les choses. Alors non, ce n'est pas une stratégie. C'est qu'il est possible que cette chose me soit passée à côté. J'ai en tout cas donné ma réponse déjà tout à l'heure, si vous m'avez écouté. Ce que je vous suggère, c'est peut-être de nous faire repasser ce document. Et on y répondra. Enfin, je me rappelle que j'avais invité Louis Fouché, justement, sur UPR TV, qui était venu. Donc ne voyez pas forcément... Vous savez, il y a énormément de gens qui écrivent sans arrêt. C'est on croule sous les courriers. Autre question ? Oui, merci. Merci d'être là, déjà. Justement, vous avez choisi la Réunion parler de vos idées. La Réunion, c'est une terre, vous avez dit, résistante, mais aussi dépendante, notamment de l'Europe, biberonnée par moments, les subventions européennes, on en reçoit tout le temps. Et je me questionnais sur comment est-ce qu'on pouvait convaincre les Réunionnais à sortir de l'Europe dans ces conditions-là. Alors c'est une bonne question que l'on retrouve un petit peu, c'est un peu la même chose qu'avec les agriculteurs. Ou c'est aussi quelque chose qu'une fois j'étais allé en Guadeloupe, quand on arrive à l'aéroport du Raisin à Pointe-à-Pitre, c'était comme ça quand j'y suis arrivé, il y avait des passerelles télescopiques avec le drapeau européen financé par l'Europe, des escalators financés par l'Europe, des ascenseurs financés, tout était financé par l'Europe. Donc il y a un moment à partir duquel les gens vont se dire « mais finalement, que fait la France ?» D'ailleurs le drapeau français bleu, blanc, rouge à Pointe-à-Pitre n'est que sur la préfecture, le commissariat de police, la prison et les impôts. C'est à peu près ce qui nous reste. Donc vous savez, c'est le truc. Moi, je me réserve les bonnes nouvelles et vous prenez les mauvaises. C'est qu'il faut... Alors malheureusement, ça nécessite un petit peu de pédagogie. Mais on a eu la même chose avec les agriculteurs. Mais les agriculteurs, maintenant, ça va, ils commencent à avoir compris. Je vous rappelle que la France est contributrice nette à l'Union européenne. Là, en venant, là, on a pris une route, sur la route du littoral, où il y a des travaux, il y avait encore une fois le drapeau bleu aux étoiles d'or, financé par l'Union européenne. C'est un mensonge. C'est financé par la France via l'Union européenne. La France donne chaque année à peu près 100, l'Union européenne nous restitue 66, voilà, en gros. C'est-à-dire qu'il y a... Vous savez comment ça fonctionne, l'Union européenne. C'était auparavant la Commission européenne, c'est une espèce de cœur, comme un cœur dans un corps, qui pompe du sang et qui le renvoie. Donc c'est ça, la Commission européenne. Elle pompe de l'argent aux 27 États et elle renvoie cet argent. Non sans auparavant en avoir détourné une part insignificative pour financer ses propres frais de structure. La Commission européenne elle-même, avec les milliers de fonctionnaires, c'est effarant, des dizaines de milliers de fonctionnaires, avec la Cour de justice de Luxembourg, avec les parlements européens, dont je rappelle qu'ils sont deux, que le simple transfert, vous savez, de l'un à l'autre, parce que c'est une fantaisie française, pour faire genre, pour dire que l'Europe ne nous avait pas complètement échappé, la France a mis son veto, à mon avis, avec des meilleures causes que ça, au maintien de certaines sessions du Parlement européen à Strasbourg. Ça coûte 800 millions d'euros par an, cette petite fantaisie, que les parlementaires, et puis tout ce qui s'ensuit, soient obligés de faire des allers-retours pour faire une ou deux sessions par mois à Strasbourg plutôt qu'à Bruxelles. Alors tout cet argent que nous versons à Bruxelles, en fait, on en a à peu près les deux tiers qui nous reviennent. De telle sorte que... si, d'ailleurs, on ne sait pas combien. On ne sait pas. On ne sait pas si l'Europe donne, bon an, mal an, 8, 9, 10, 12 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. Mais c'est de cet ordre-là.
La même chose s'était produite au Royaume-Uni. Les Britanniques avaient été stupéfaits, en fait, de découvrir qu'en fait, ils étaient contributeurs nets de beaucoup plus, de sommes beaucoup plus importantes. Puisque, je reviens à mon histoire de pompe aspirante et refoulante, la Commission européenne prélève de l'argent, elle en pique une partie pour financer ses frais de structure, l'autre partie, elle le renvoie. Mais elle ne renvoie pas à due proportion, sinon ça servirait à rien. Donc il y a des pays à qui elle renvoie plus d'argent qu'ils n'en ont mis. On les appelle les bénéficiaires nets. Le premier d'entre eux étant la Pologne, qui reçoit chaque année à peu près 13 milliards d'euros par an de l'Union européenne. Mais en fait, là-dedans, il y en a 2 milliards d'euros qui sont payés par les Français sans que ni les Français ni les Polonais ne le sachent. 2 milliards d'euros, hein. Comparé, par exemple, vous savez que l'état des routes en France se dégrade à toute allure. En France métropolitaine, il manque 350 millions d'euros par an. On n'a pas les moyens. On donne 2 milliards d'euros à la Pologne. Et puis je parle tout le reste, hein, à la Hongrie, à la Moldavie, etc. Enfin, la Moldavie n'est pas encore dans l'UE, mais c'est autre chose. Donc, ceux qui reçoivent plus sont les bénéficiaires nets. Ceux qui donnent plus sont les contributeurs nets. Le premier contributeur net, c'est l'Allemagne. Le deuxième, c'est la France. Le troisième, ça va être les Pays-Bas. Et la France est de très loin le deuxième, très loin devant le troisième, le deuxième contributeur net. L'argent n'est pas distribué d'ailleurs uniquement aux pays de l'Est. Il sert aussi à des politiques étrangères. Il sert aussi, par exemple, à donner à l'Ukraine. Mais il sert aussi à ce qu'on appelle les politiques dites de mise à niveau. Vous savez ou vous ne savez pas, mais c'est encore un truc absolument incroyable, c'est qu'il y a actuellement 9 États qui sont dans le corridor d'entrée dans l'Union européenne, qui ont été agréés pour qu'on ait commencé des négociations avec eux. Alors certains, ça remonte à 20 ou 25 ans. C'est la Turquie qui est officiellement candidate et à laquelle l'Union européenne a dû verser depuis 25 ans quelque chose comme 10 ou 12 milliards d'euros de mise à niveau, les fonds dits de mise à niveau. Et puis le dernier en date, c'est la Géorgie, qui a été agréée comme étant un État ayant vocation à entrer dans l'Union européenne. Donc sur ces 9 États, il doit y avoir donc de mémoire la Turquie, il y a la Bosnie-Herzégovine, Monténégro, la Serbie, mais c'est les dirigeants serbes qui veulent, le peuple serbe n'en veut pas, la Moldavie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, l'Ukraine, et j'ai dû en oublier un. Bon. Donc ce sont des... Rien que l'Ukraine, on estime qu'il faudrait au cours des 10 prochaines années minimum 185 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine. Donc la France payant à peu près 17 à 20%, ça veut dire... Au cours des 10 prochaines années, ça devrait nous coûter quelque chose comme à peu près 35 milliards d'euros, rien que pour l'Ukraine. Enfin, c'est ça, mais énorme, 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 énorme. Sans compter qu'en plus de ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la FNSEA, le syndicat des grands exploitants agricoles, qui a toujours été très favorable à la politique agricole commune, puisque la PAC les sert, justement. La PAC, elle dessert les petites exploitations familiales, mais en revanche, les grands exploitants agricoles regroupés dans la FNSEA, eux, ils sont favorables. Mais même la FNSEA a dit « Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française ». Voilà. Et vous avez des pays comme l'Albanie. L'Albanie, c'est le pays de tous les trafics, comme vous le savez. Trafic de drogue, prostitution, pédophilie, trafic d'art, trafic d'argent, trafic de stupéfiants, trafic de... Formidable. Et la Géorgie, c'est un pays qui d'abord n'est pas dans l'Europe géographique, hein, puisque l'Europe géographique s'arrête théoriquement à la ligne de crête du Caucase. Or, la Géorgie se trouve au sud de cette ligne de crête. Et puis, accessoirement, il y a deux républiques de Géorgie, enfin deux, ce qu'ils appellent des républiques de provinces de la petite Géorgie, qui sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont occupées par les troupes russes. Voilà. Et il s'y ajoute encore deux autres pays. En effet, c'est... celui que j'avais oublié, c'était la Moldavie. Ici ajoute le Kosovo et ici ajoute, je sais plus quoi, l'Arménie, qui sont en processus de demande d'adhésion. Alors ça, c'est vraiment très très important aussi à comprendre, parce que c'est totalement déjà, ça marchait pas à 6. Hein. Les personnes qui ont les cheveux blancs dans cette salle se rappellent comme moi que dans les années 60, on se tirait les cheveux sur les montagnes de beurre, les marathons bruxellois, enfin ça n'en finissait pas.
À 9, ensuite, c'est devenu encore plus ingérable, puis à 10, puis à 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28, puis 27, hein, avec le départ du Royaume-Uni. Donc on est à 27, mais s'il y en a 9 en plus, on passe à 36. Alors déjà, tout ce que je vous ai dit sur le changement des traités, c'est terminé. Vous comprenez, c'est une espèce de tour de Babel totalement ingérable, en fait. Et au bout du compte, c'est vraiment la disparition, la dislocation de notre pays dans une espèce de chimère, en fait. On est, pour ceux qui aiment bien l'histoire, on est dans un processus qui rappelle quand même beaucoup la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire que moins ça marchait, plus vous aviez des partisans de la construction du socialisme qui vous expliquaient « ça n'est pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme ». Là, vous avez la même chose, ça n'est pas de la faute de l'Europe, qui par définition, c'est le bonheur suprême, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et face aux déconvenus, qu'est-ce qu'avaient trouvé les dirigeants du Kremlin? C'est qu'ils faisaient rentrer dans la construction du socialisme de plus en plus d'États qui arrivaient en fait pour mendier de l'argent. Hein, si vous lisez, il y avait un livre qui avait été sorti par deux communistes français, Jean et Nina Kehayan, et qui étaient des instituteurs communistes qui étaient allés passer 2-3 ans à Moscou, qui étaient repartis effarés, qui avaient écrit un bouquin qui s'appelle « Rue du prolétaire rouge ». Ils expliquent à quel point les soviétiques de la rue n'en pouvaient plus, parce qu'ils voyaient adhérer le Vietnam, le Laos, l'Angola, etc. Mais tout le monde tendait la CBI pour avoir de l'argent. Mais c'était bien, c'était chic de montrer que la construction du socialisme était une loi de l'histoire dans laquelle s'englobaient de plus en plus de pays jusqu'au moment où tout ça s'est effondré. On est un peu dans ce... Il y a beaucoup de points communs hein, avec ça, notamment aussi la corruption généralisée. L'URSS, elle a sombré aussi dans la corruption généralisée qui touchait même la famille de Brejnev, hein, le gendre de Brejnev et autres. Donc on est dans un processus de nécrose qui est de cette nature. Mais ce qui est important, je pense, pour les gens dont vous parlez, c'est de faire comprendre que si la France n'est pas dans l'Union européenne, elle aura plus d'argent, en fait. Et en particulier, tous ceux qui sont bénéficiaires de subventions les auront, mais beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus simple. Et puis qu'est-ce que je vais vous faire plaisir, mais je le pense profondément. Je pense que la France métropolitaine, plutôt que d'envoyer... des dizaines de milliards à l'Ukraine, elle ferait mieux de le consacrer à son outre-mer. Voilà. Y compris d'ailleurs à la protection par l'armée de la zone économique exclusive. On a la première du monde. Actuellement, on sait très bien que dans le Pacifique Sud, on n'arrive pas à surveiller tout ça. Donc il faudrait avoir des efforts militaires pour affirmer la présence de la France. Il y a potentiellement des trésors extraordinaires au large de la Guyane, peut-être au large de la Calédonie ou de... On peut trouver peut-être des champs d'hydrocarbures, Dieu sait. Il y en a au large de la Guyane, c'est certain. Donc tout ça est complètement inexploité. Et en plus de ça, on a des dirigeants français qui s'en foutent, en fait. Ou plus exactement, qui n'ont qu'une envie de s'en débarrasser. Hein. Parce que la vérité, elle est là. Hein. Il y a des gens qui considèrent... De toute façon, ils ont fait un trait sur la France. Voilà. Ils se fichent de la francophonie. C'est pareil. Hein. Ça va de pair. Hein. C'est comme la francophonie. Voilà, la zone économique exclusive... C'est comme la francophonie. On n'en parle jamais aux Français. Alors qu'on a la première zone économique exclusive du monde, alors qu'on a une des deux langues parlées aux Nations Unies, avec deux langues de travail, français et l'anglais, alors que la CIA essaie de nous empêcher de tenir cette réunion... Alors que nous avons une langue française qui ne fait que se développer, notamment en Afrique. En 1980, il y avait 180 millions de francophones dans le monde. Aujourd'hui, les estimations basses, c'est 350 millions. Les estimations hautes, c'est 500 millions. Et en 2070, la langue française, c'est 700 à 800 millions de francophones, grâce à la natalité extraordinaire des pays francophones d'Afrique, qui sont les derniers pays à avoir entamé leur transition démographique. Moi, quand je fais des vidéos, d'ailleurs, c'est assez drôle, les vidéos que j'ai faites, j'en ai faites sur l'Afrique, justement, sur le Niger... On voit quelles sont les principales zones de consultation. En 1, c'est Paris-Île-de-France, sur la région, le truc que j'avais fait sur le Niger. En 2, c'était Abidjan. Devant Marseille et Lyon. Et après, c'était Kinshasa. Enfin, c'est incroyable. Je suis extrêmement suivi dans beaucoup de pays francophones. Donc, ça, c'est un véritable trésor aussi que l'on ne valorise pas à sa juste mesure. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, il n'y a qu'en France que la langue se dégrade.
Mais il y a qu'en France où en fait on a en fait au pouvoir des gens qui font de la francophobie. Hein, moi, j'en profite aussi au passage. Nous ne sommes pas des europhobes, parce qu'une phobie, c'est quelque chose d'irrationnel. Nous sommes anti-européens, parce que c'est très rationnel, c'est très construit, là. On ne veut pas de cette procédure, qui d'ailleurs n'est imitée nulle part ailleurs dans le monde, qui nous est imposée et dont le bilan, au bout de 63 ans de construction européenne, est accablant dans tous les domaines. Donc il y a un moment à partir duquel il faut savoir tirer les conclusions. Donc nous, on est contre, on n'est pas phobie, c'est pas de la phobie. Quand j'explique les articles 121, article 68, 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, ça, c'est pas de la phobie, c'est au contraire de la chose très très précise et rationaliste. Alors qu'en fait, nous sommes dirigés par des francophobes. C'est-à-dire que nous avons à la tête de l'État, dans les médias français, etc., des gens qui, à partir du moment où vous commencez à dire qu'il faudrait peut-être un peu brandir le drapeau bleu-blanc-rouge, bon, il y a, à part deux trêves de Dieu, hein, comme on dit au Moyen-Âge, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, c'est le seul moment où on a le droit de brandir dans la paume de l'ange, mais tout le reste, à partir du moment où vous dites ça, vous êtes quelqu'un d'absolument épouvantable. C'est une véritable phobie, c'est des gens phobiques. Voilà. Oui. Bonsoir Monsieur Alcineau, bonsoir à tous. Laurent de Saint-Leu. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir à La Réunion. Et je voulais vous poser deux questions. Selon vous, d'où vient la léthargie de beaucoup de Français actuels ? Hein, on voit des choses incroyables et rien ne se passe. Hein. Deuxièmement, j'aimerais surtout que vous nous expliquiez, puisque vous avez ce retour d'expérience, on a un laboratoire qui est l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui a réussi à sortir de l'Europe. Quel était le bras de levier de Farage pour faire comprendre aux Anglais qu'il était temps de passer à autre chose ? Merci. Alors la première question, ça, chacun peut avoir son point de vue. Je suis personnellement comme vous. Je pense que les Français sont, globalement, hein, vous êtes quand même très nombreux à avoir fait le déplacement ici, donc ça veut dire qu'il y a quand même un réveil. Mais il y a un élément que l'on ne saurait surestimer, qui est vraiment fondamental, c'est ne passe pas à la télé. On a une propagande d'État énorme, mais énorme. Énorme, 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 énorme. Il n'y a jamais à la télévision un débat de fond où on pourrait discuter entre gens civilisés pendant deux heures ce qui existait dans les années 50 ou 60, 70. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ce sont des invectives, des crises d'hystérie, etc. Voilà. Le débat politique a été hystérisé, d'ailleurs. On parlait tout à l'heure, par exemple, des injections à RNM. Le simple fait de poser des questions, vous étiez tout de suite rangé la mauvaise case. C'est une véritable nécessité de l'hystérisation du débat. D'ailleurs, nous, on nous traite de complotistes, de conspirationnistes. Je dis non, on n'est pas complotistes, on est tout simplement cartésiens. Je rappelle à tous ceux qui connaissent un petit peu la philosophie, qu'est-ce qu'a apporté la France, notamment en matière de sciences humaines, au monde, ben c'est la méthode cartésienne. C'est le discours de la méthode de Descartes au début du XVIIe siècle, qui en gros dit qu'il n'apprend rien de tout ce qu'on lui dit, il ne prend rien pour donner acquis ce qui n'est exercé au crible de sa raison. C'est ce qu'on appelle le doute méthodique, la pensée cartésienne. D'ailleurs, s'il y a bien quelque chose que l'Europe a apporté au reste du monde, c'est justement la faculté de douter. Ça, c'est très, très, très important. Toutes les sociétés, les peuples premiers, comme on dit maintenant, et aussi beaucoup de sociétés se sont développées avec des dogmes dont on n'a pas le droit de douter. Et l'invention, c'est un tour d'une évolution de la pensée humaine extraordinairement important. Après la Renaissance et l'arrivée de l'âge classique, c'est ce qu'on a appelé la révolution, c'est un terme un peu prétentieux, la révolution copernico-galiléenne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Copernic, un moine qui vivait du côté de Cracovie ou à la fin du XVIe siècle, grâce au progrès de la fabrication du verre. Il regardait les étoiles et il a dit « C'est pas possible que la Terre soit au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est pas possible. C'est l'inverse forcément qui est vrai. » Or, dire ça, c'était remettre en cause le dogme de l'Église catholique, puisque du temps de saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, comme on l'appelait au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin avait introduit dans sa somme théologique l'idée que la philosophie, la cosmogonie de Ptolémée, ça remontait à la Grèce antique, était juste parce que la Terre était au centre de l'univers, parce que vous aviez les sphères armillières d'astres et d'étoiles qui tournaient autour, et parce que c'était conforme
à une lecture première de la Genèse de la Bible. Donc à partir du moment de ce moment-là, donc on avait mis dans le dogme de l'Église catholique, ce qui n'existait pas du tout du temps des évangiles, bien sûr, mais c'était dans tout ce qui est le corpus de la Sainte Église, il y avait l'idée que la Terre était au centre de l'univers. Et Copernic, bien que moine, a dit « ça n'est pas possible ». Bon, il était perdu dans ses forêts, on n'en a pas beaucoup tenu compte, mais il avait des liens avec Galilée, qui lui, au début du XVIIe siècle, avait ses entrées, c'était quelqu'un de très connu, c'était un scientifique, il avait ses entrées auprès du fameux cardinal Bellarmine de la Sainte Inquisition, et qui l'a condamné, et il a dit pareil. Et on a vu apparaître, à partir de ce moment-là, vraiment, c'est une révolution de l'esprit humain, hein, en termes épistémologiques, comme disent les philosophes, vraiment un changement de mode de pensée, de paradigme, c'est que d'un seul coup est apparu un truc nouveau, c'est ce qu'on appelle l'esprit scientifique par rapport à l'esprit dogmatique. Un esprit dogmatique, c'est quelqu'un qui dit qu'il a toujours raison, quoi qu'il puisse se dire et faire. L'esprit scientifique, c'est quelqu'un, à partir du moment où on trouve des faits qui ne cadrent pas avec l'explication, c'est le dogme qui a tort, parce que les faits n'ont jamais tort. Et en fait, on en est toujours là. Donc le grand triomphe de l'Occident, ça a été le doute, la remise en doute en cause des choses, et le doute méthodique. Voilà. Personnellement, j'ai refusé de me faire injecter, parce que il faut avoir le consentement éclairé. Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce produit. Je savais que c'était des produits qui n'étaient pas arrivés à maturité de leur... Ils étaient encore en phase expérimentale. Je savais aussi qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour faire un vaccin, et qu'il fallait attendre pour avoir la liste des effets secondaires qui se produiraient. Voilà. Et donc ça, je n'en ai jamais varié. Personne ne m'aurait fait changer d'avis. Mais combien ai-je vu autour de moi de gens qui ont fini par céder à la pression ? Parce que c'était tellement... La crise d'hystérie était telle que vous étiez même pire qu'un mauvais Français. Enfin, vous étiez accablé de tous les péchés du monde si d'aventure vous ne vous faisiez pas injecter. Donc maintenant, il y a des sociologues qui se repenchent sur cette période, qui étaient quand même déments. Vous savez, il fallait... moi, je me rappelle, j'ai fait des photos que j'ai dans mon téléphone dans la Nièvre, à un supermarché. Donc il y avait des rayons comme ça. C'était un peu comme le mur de Berlin. Vous aviez le droit d'acheter des petites culottes, mais pas des pantoufles. Vous aviez le droit d'acheter des pas de jeux vidéo, mais des balles de tennis. C'était un délire, complètement délirant. Et vous avez tout un peuple qui est allé là-dedans. C'est vraiment très, très inquiétant. Donc ce que je pense, c'est que pour répondre à la question, il y a des progrès qui ont été faits en programmation neurolinguistique, comme on dit en PNL, avec les Français, ils ont engrammé qu'il y a des sujets dont ils n'ont pas le droit de débattre. Alors il y a ceux qui bravent cet interdit, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas, oui, nous par exemple, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette force mentale en eux, qui n'ont pas cette... ça rappelle là aussi l'Union soviétique. Hein, il y avait un dissident soviétique, tout à l'heure je citais Jean et Nina Kéayan, il y en a un autre que je vais citer qui s'appelait Michel Heller, H-E-2-L-E-R, était un soviétique, mais dont le nom était d'origine allemande. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont allé s'installer au XVIIIe siècle en Russie, dans la foulée de la Grande Catherine de Russie. C'était un dissident soviétique qui avait écrit un livre que vous trouverez qui s'appelle « La machine et les rouages ». Et il expliquait cette chose vraiment... C'est génial, en fait. C'est que la quintessence du fonctionnement de l'URSS, c'est le comte d'Andersen, « Le roi est nu ». Alors vous vous rappelez peut-être, ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est un conte d'Andersen. C'est dans une ville, je ne sais pas, Copenhague. On est au XVIIIe siècle, où vous avez deux aigres fins, deux escrocs qui arrivent et qui s'installent et qui font semblant de tisser un tissu qui est absolument merveilleux, extraordinaire, mais qui a une particularité inouïe. C'est que c'est à la fois le plus beau tissu du monde, mais que seuls les gens intelligents peuvent voir. Voilà. Les gens qui sont bêtes ne peuvent pas le voir. Alors c'est un formidable. Bon. Alors ils commencent à tisser. Alors, ce sont des escrocs, donc bien sûr, ils mettent un métier à tisser. Ils font semblant de mettre des trucs. Personne ne voit rien. Mais comme tout le monde a engrammé l'idée que si on ne voyait pas, c'est qu'on était un con. Mais c'est ça, la France, elle en est là. Hein. C'est que forcément, on était un imbécile. Donc, les gens sont tétanisés face à ça. Alors
l'histoire, le conte d'Andersen, il faut vraiment que vous le lisiez, ça fait 3 pages. Donc, ou 4 pages. Et donc, le roi en entend parler, et donc, il envoie, il convoque son chambellan, et il dit, j'aimerais bien que vous renseigniez sur quoi, ce que c'est que ce truc-là. Donc, le chambellan, il demande à un de ses collaborateurs, il dit, d'aller voir, je sais pas, un de ses huissiers, là, d'aller voir. L'huissier, il va, il voit les types, il voit pas de tissu. Et il se dit, si je dis au chambellan que j'ai rien vu, il va avoir confirmation que je suis, sur les yeux, le roi des cons. Bon, je fais à la mode française du XXIe siècle. Hein, c'est un peu plus châtié chez Andersen. Et donc, il va voir le chambellan et lui dit « Ah oui, j'ai vraiment vu un tissu, c'est extraordinaire. Il faut absolument que vous alliez le voir. » Donc le chambellan se dit « Bon, si lui l'a eu, je vais forcer. » Et le chambellan y voit, il arrive et il ne voit rien. Et il se dit « Attention, moi je vois rien, alors que mon huissier l'a vu, c'est ce truc-là. » Donc le chambellan va voir le roi en lui disant « Écoutez, j'ai vu un truc extraordinaire. » Donc ainsi se répand de proche en proche l'idée que c'est un tissu absolument merveilleux, parce que personne ne veut admettre qu'il est bête. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le roi, à l'occasion de la fête nationale du pays, du Danemark, décide qu'il va se vêtir dans ce vêtement. Donc il fait venir à la cour les deux escrocs et qu'il lui montre. Et voilà, en plus de ça, c'est un tissu qui a une particularité aussi, il est tellement arachnéen et qu'il ne presse presque rien. Donc le roi est en petite culotte, si j'ose dire, et puis ils mettent sur le roi, et le roi lui-même ne voit rien. Mais il se dit, si mon chambellan l'a vu... comment ça, il faut que je fasse attention, je ne veux pas dire que je ne vois pas. Donc lui-même se vêtit de cette façon. Alors vous connaissez la fin de l'histoire, c'est que c'est la grande procession le jour de la fête du royaume, et donc le roi sort, en fait il est à poil, quoi. Bon. Et donc il est comme ça dans les rues de Copenhague, et tous les gens qui ont été au courant, parce que la rumeur s'est répandue dans tout Copenhague, et tout le monde s'exclame « Bravo, vive le roi, quel tissu magnifique, etc. » Jusqu'au moment où il y a un petit garçon qui doit avoir 5 ou 6 ans, donc qui est la pureté même, et qui s'écrie « Ah, mais le roi est nu !» Et à ce moment-là, effectivement, de proche en proche, les gens disent « Mais c'est vrai qu'il est nu !» Et d'un seul coup, tout s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'URSS. C'est-à-dire que vous aviez une espèce de pression sociétale qui faisait que vous n'aviez pas le droit de remettre ça en cause. C'était ça. Vous aviez le droit... Il y avait des critiques en URSS. Au Soviet suprême, on pouvait critiquer tel ou tel truc. C'était pas la Corée du Nord. La Corée du Nord, personne ne moufte. Au Soviet suprême, il y avait quand même des... On se plaignait qu'il y avait manque d'approvisionnement dans telle sauve-cause du côté de Nijni Novgorod, ou bien qu'il y avait du coulage dans telle société d'exploitation du coton en Ouzbékistan, en République socialiste. Ça pouvait... Il y avait un truc qu'on n'avait pas le droit de mettre en cause. C'était le fondement idéologique du régime, le principe même de la construction... J'ai fait un lapsus. De la construction du socialisme. Mais on en est là. C'est exactement ça. Et donc nous avons énormément de Français, moi quand je les prends, les impressions, même des hauts fonctionnaires, hein. J'en connais des hauts fonctionnaires qui, des portes fermées, me disent « t'as bien raison », mais jamais ils ne vont le dire. Et les gens que j'ai reçus à UPR TV, ça c'est vraiment, c'est si vous voulez, parmi les tristesses que j'accumule depuis 17 ans, il y a ça, c'est que j'ai reçu des gens divers et variés sur UPR TV, qui dans le secret comme ça me disent qu'ils sont d'accord avec moi, mais non. Parce qu'ils savent qu'ils seront asselinisés. C'est-à-dire, ça sera le barrage médiatique total. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc. Hein. Donc, il y a un mélange de crainte, la volonté de ne pas sortir du groupe. D'ailleurs, on le voit parmi nos adhérents. Nos adhérents à l'UPR, c'est tout à fait intéressant. On a beaucoup, beaucoup d'adhérents. D'abord, on a des adhérents de droite et de gauche. Hein. Ça, c'est très, très important. Il nous distingue, par exemple, complètement de quelqu'un comme Philippot, qui, lui, lorsqu'il fait une alliance avec Poisson, qui ne veut pas sortir de l'UE. Philippot donne toujours la préférence à l'union des droites par rapport... Nous, on veut unir les frexiteurs, c'est-à-dire ceux qui
que pour reprendre la parole de Louis Aragon, le poète communiste dans La Rose et le Réséda, disait que la résistance française rassemblait, vous savez, ce verbe célèbre, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Donc chez nous, il y a peut-être 30, comme ça, hein, au doigt mouillé, mais 35-40% de gens venant de droite et 20-25% de gens venant de gauche. C'est d'ailleurs exactement à peu près le pourcentage des gens qui ont voté non à la Constitution européenne. Il y a eu 55% de non à la Constitution européenne. Il y en avait 30 qui venaient de la droite, 25 qui venaient de la gauche. Et à partir du moment, et c'est très bien fait, hein, pourquoi les médias ne cessent-ils pas que de maintenir contre vents et marées l'existence d'un clivage droite-gauche qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui reprendra du sens quand lorsque nous serons redevenus un pays souverain. Mais aujourd'hui, il y a toujours cette volonté de classer à droite ou à gauche. On ne sait plus Macron, il est où là-dedans? Il est à droite ou il est à gauche? Et quand on veut nous faire croire que Glucksmann, qui est un agent de la CIA, tout le monde est au courant. Tout ce que dit Glucksmann, c'est les objectifs stratégiques des États-Unis d'Amérique. Il veut augmenter l'immigration. Et il paraît qu'il y a 75% des Français qui n'en veulent plus. Il veut que l'Ukraine entre dans l'UE. Il veut que l'Union européenne devienne un État. Enfin, tous les objectifs stratégiques des États-Unis. C'est un ultra libéral. Il a travaillé pendant 4 ans auprès d'une crapule finie. Il s'appelle Saakashvili, qui était président de Géorgie, justement, d'un agent de la CIA qui a été exfiltré, qui est allé s'installer en Ukraine. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez toute cette histoire. Allez vous renseigner sur la première femme aussi de Glucksmann. Bref, ce type, il est mais tout sauf de gauche, quoi. On présente comme le... C'est incroyable. Bon. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que la droite et la gauche, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est ceux qui sont en faveur de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale, et ceux qui sont en faveur de laisser le pouvoir à des forces extérieures. Voilà, c'est ça le truc. Mais donc, pour répondre à votre question, donc la première, c'est que je ne savais pas quelle était la deuxième sous-question, c'était... Ah oui, comment Farage, justement... Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous donner du cœur à l'ouvrage, si je peux. C'est que y a des gens... Moi, le premier, ça fait quand même 17 ans. Je commence à être fatigué. Hein. Bon. Mais Farage, entre le moment où il a créé le UKIP et le moment où il y a eu le référendum, c'est après, entre 1986 et 2016, c'est 30 ans. Hein. C'est une génération. Donc Farage, il a fait comment? C'est que petit à petit, aux alentours d'une quinzaine d'années, il a commencé à émerger. J'espère que c'est ce qui va nous arriver à nous. Normalement, si on avait des médias corrects, je demande pas la Lune, mais des médias corrects qui nous donnaient 2-3% du temps de parole, on devrait péter tous les plafonds. On a des médias qui nous... C'est une véritable censure d'État. Bon. Mais c'est en train de se retourner contre eux, du moins sur les réseaux sociaux. Donc normalement, c'est le moment où on devrait avoir des premiers députés. Et Farage, il a fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a tout le temps fait des interventions pour mettre en cause la corruption au sein de l'Union européenne, mettre en cause les choix, l'inefficacité, etc., etc., le caractère antidémocratique de toutes celles, comparer ça avec l'URSS. Et rappelez-vous qu'il y avait des gens dans son équipe qui filmaient ce qu'il faisait et qui après balançaient sur les réseaux sociaux. Et ça lui a donné progressivement une grande notoriété au sein de l'Union européenne, au niveau international et au sein du Royaume-Uni. Jusqu'au moment où il avait une telle notoriété avec son parti que le Premier ministre David Cameron, ministre conservateur, a craint de perdre les élections générales. Puisque je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, ils ont un système électoral très bizarroïde. C'est que lorsqu'il y a des élections législatives, c'est le premier. Il y a un seul tour. Celui qui arrive en tête, il a le poste. Même s'il fait 25%, si tous les autres ont moins de 25%, il a le poste. Ça force évidemment à une concentration, d'où le bipartisme travailliste conservateur. Mais là, ce que faisait Nigel Farage, c'est qu'il introduisait un tripartisme et il risquait de faire passer systématiquement les conservateurs sous les travaillistes. Donc c'est ça qui s'est passé. Et donc David Cameron s'est dit qu'il allait négocier avec Nigel Farage, lequel Nigel Farage a accepté lors des élections générales de 2015, je crois, quelque chose comme ça, il a accepté de ne pas présenter de candidat contre les conservateurs. En échange de quoi, Nigel Farage
obtenait, enfin formellement, David Cameron, formellement devant l'opinion publique britannique, prenait l'engagement de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est ce qui s'est passé. Mais Nigel Farage, David Cameron a fait ça parce qu'il pensait que ça n'aurait que les Britanniques rejetteraient. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et alors il s'est produit quelque chose, j'insiste parce que c'est un point important, il s'est produit quelque chose aussi de très important, c'est que normalement, c'est Nigel Farage qui aurait dû mener la politique du Brexit. Or c'est pas ce qui s'est passé, puisque David Cameron a été renouvelé, il a fait le référendum, et il a démissionné parce qu'il avait perdu le référendum, mais vous savez qu'au Royaume-Uni, c'est le chef du parti ayant plus de députés qui devient Premier ministre ipso facto, et donc il a été remplacé par Madame Theresa May, qui était une anti-Brexit. Comme d'ailleurs une majorité des parlementaires du Parti conservateur, ils étaient anti-Brexit. Donc ça veut dire que le Brexit a été mené par quelqu'un qui n'en voulait pas. C'est très important ça aussi à comprendre. C'est aussi important à comprendre pourquoi nous on n'est pas favorable au principe du référendum. Imaginez que Macron, d'un seul coup, lui traverse la lubie de faire un référendum sur le Frexit, aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en début 2018, il était allé à la BBC à Londres, qui lui avait demandé « Mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il » Et il avait répondu « Probablement, le Frexit l'emporterait ». Mais imaginons que Macron fasse un référendum sur le Frexit. Imaginons qu'il y ait 50% du temps de parole entre les deux. Et imaginons que le Frexit l'emporte. Il se passerait quoi? Il se passerait que ce serait Macron et Attal qui seraient chargés de faire le Frexit. C'est ça qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein. C'est-à-dire que mener une politique par des gens qui font tout pour la saboter. Hein, donc c'est aussi à prendre en considération dans l'image que l'on peut avoir de cette affaire. Merci à tous de m'avoir écouté.